Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors merci d'être venus très nombreux ce soir. On est très contents pour la troisième soirée donc, du cycle Controverse donc, qui, qui pose des questions sur les idées reçues du numérique. Alors ce soir nous allons questionner euh, l'économie collaborative euh, en présence de Michel Bowens et d'Alexandre Quintard. Euh, je vous rappelle que le site et euh, le pardon ce cycle controverse, euh, l'ensemble des débats sont accessibles en ligne sur le site euh, la web TV de la BPI et le site et le cycle toujours pardon est organisé en collaboration avec l'atelier des médias de RFI. Je laisse donc la parole à Ziad Malouf, euh, qui va vous présenter les invités et le déroulement de la soirée. Bonne soirée. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. J'insiste sur le fait que vous êtes aussi nombreux, parce que souvent, il y a moins de monde pour ces controverses et même pour les cycles. Euh, il y en aura encore une quatrième controverse dans les semaines à venir. N'hésitez pas à vous inscrire à, euh, sur la page de la BPI pour savoir, pour être informé. Euh, voilà alors je ne vais pas vous présenter tout de suite les invités je vais d'abord dire quelques mots et je vous les présenterai juste avant qu'ils ne prennent la parole. l'économie collaborative est la prochaine révolution industrielle les possibles offerts par la mise en réseau des individus, des machines, des données par la puissance et la vitesse de calcul des algorithmes vont du meilleur au pire. D'un côté, une économie plus ouverte, plus juste, plus décentralisée, plus libre, d'un autre, une captation du potentiel de l'internet et des big data, des mégadonnées par une poignée de géants dont les méthodes induisent plus de précarité d'exploitation et de dépendance des individus. Uber et Airbnb n'ont rien à voir avec l'économie du partage, c'est ce qu'a déclaré Michel Bowens ici présent au journal Le Monde. Il ajoute chez Uber et Airbnb, rien n'est partagé, surtout pas l'algorithme qui est au cœur de l'architecture. Fin de citation. Les méthodes d'Uber sont tellement particulières et décriées qu'on a inventé le terme uberisé pour décrire la manière dont un nouvel entrant peut bouleverser un système existant. Ceci étant, il est peut-être un peu trop facile de diaboliser un acteur qui a le mérite d'avoir posé... Des questions. Oui, le service du a concurrencé de manière drastique des modèles existants, mais il en a aussi montré les failles et les limites. C'est une anecdote, mais ce service est né dans l'esprit de ses concepteurs à Paris, alors qu'il peinait à trouver un taxi. Paris qui a vu il y a quelques mois les manifestations peut-être les plus violentes de l'histoire en réaction à un service reposant sur la mise en réseau et la collecte de données. La question que je me pose, et peut-être certains d'entre vous en filigrane de cette Soirée qui est peut-être au cœur de cette controverse pourrait être formulée ainsi l'internet et les big data, c'est-à-dire les mégadonnées, une chance pour l'humanité ou une chance pour la Silicon Valley Nous sommes partis pour 1h30 environ et on va commencer avec une introduction à la controverse qui est signée Guillaume Ouattara. Guillaume est étudiant et il participe au concours Fleur d'Éloquence. Je vous propose de l'encourager. L'économie collaborative est une activité humaine qui vise à produire de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d'organisation du travail. Elle s'appuie sur une organisation plus horizontale que verticale, la mutualisation des biens, des espaces et des outils, et l'organisation des citoyens en réseau ou en communauté. L'économie collaborative est entendue dans un sens large qui inclut la consommation collaborative, mais également les modes de vie collaboratifs, la finance collaborative, la production contributive et la culture libre. Bien, je sens poindre dans l'assemblée quelques regards inquiets, des tapotements fébriles de montres, mais également des petits soupirs réprobateurs. Certains dans la salle auront reconnu derrière ces mots la plume de l'un des auteurs les plus prolifiques du XXIe siècle, M. Pédia, de son prénom Wiki. Alors, je dois vous dire qu'il y a quelques semaines, lorsque l'on m'a demandé d'introduire avec éloquence cette controverse sur l'économie collaborative, j'ai été quelque peu inquiet. Rien. Je n'y connaissais alors absolument rien. Du moins, c'est ce que je pensais. Et puis, en voyant le nom des débatteurs qui allaient s'affronter ce soir, j'ai pris encore plus peur. Des spécialistes, des connaisseurs. Alors, comme tout bon étudiant qui se respecte, j'ai immédiatement foncé sur Wikipédia et je me suis dit que je pourrais lire quelques extraits de ce qui y était raconté, y rajouter deux, trois blagues et que le tour serait joué. Tout le monde n'y verrait que du feu. Mais par acquis de conscience, et tandis que j'imprimais des pages et des pages entières issues de l'encyclopédie en ligne, j'ai commencé à naviguer de liens en liens, à surfer, comme disent les vieux, personnes d'un certain âge qui tentent désespérément de se faire passer pour des jeunes. Et le fruit de cette errance numérique sur le web, c'est que l'économie collaborative, participative, le pair à pair. Bah, j'y avais déjà été confronté. Par exemple, pour rejoindre ma petite ville étudiante, Compiègne, depuis la capitale foisonnante, j'avais déjà eu recours au covoiturage. Une personne met à disposition sa voiture au service de la communauté. On est pleinement dans l'utilisation commune d'un bien ou d'un service. Évidemment, lorsque j'étais coincé dans la voiture de Daniel, 64 ans, fraîchement retraité, entre Jean-Dominique, ses dreadlocks et son odeur de cannabis, et Martin, dont la salade de thon embaumait tout l'habitacle, je n'avais pas vraiment eu l'occasion d'y réfléchir. Mais j'étais en plein dans de l'économie collaborative. Autre exemple, lorsque pour financer une session d'enregistrement en studio, un groupe de musique dont je connaissais les membres a fait appel au crowdfunding, le financement participatif, j'ai donné, sans même hésiter, Là encore, je me situais dans cette vision d'une économie collaborative. Se défaire des grands marchés, chasser les monopoles, devenir acteur de sa propre vie, créer une dynamique, renforcer des liens entre producteurs et consommateurs. Ce sont autant d'idéaux qui rejaillissent de cette idée du père à pair. Et les initiatives de plus en plus foisonnantes qui émergent depuis les années 2000 montrent que ce concept est ancré dans la réalité et n'est pas le simple fantasme d'altermondialistes refaisant le monde autour d'un joint et d'une guitare. L'Américain Jeremy Rifkin, économiste, parle même d'une troisième révolution industrielle qui est sur le point d'ébranler toute notre économie. Adieu grands groupes industriels dévoreurs de capitaux et place aux acteurs locaux. Génial, non hmm. Prudence, prudence, prudence. Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif, aimé à me répéter ma grand-mère et avant elle sa propre grand-mère et ainsi de suite. Ne doit-on pas se méfier N'y a-t-il pas sujet au débat À la controverse Si, assurément, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Une controverse sur les mots tout d'abord qui doivent être employés. Sur l'événement Facebook de la rencontre de ce soir, le message d'un certain Jérémy D, que je salue s'il est dans la salle d'ailleurs, m'a interpellé. Pourquoi, demande-t-il, pourquoi toujours confondre économie du partage et économie collaborative La question est posée, le débat de ce soir devrait sans doute la clarifier. Et puis même, est-on vraiment face à une nouvelle révolution industrielle ou n'est-ce pas simplement une technique de grand groupe pour perdurer et progresser je parlais de covoiturage, mais les rencontres entre chauffeurs et passagers ne se font pas par hasard sur un parking ou dans une gare. Tout est bien structuré, organisé par des sites comme Wicar, par exemple. Ce même Wicar racheté il y a quelques mois par la Société nationale des chemins de fer français. Tum, tum, tum. Tiens donc. Airbnb, Uber sont d'autres exemples d'économies du partage trompeuse, d'ersatz, pourrait-on même dire. Et puis plus personnellement un épisode a marqué ma vie à tout jamais. Lorsque j'étais plus jeune, plus court sur mes mollets, je me plaisais à télécharger. C'est mal, je le sais, je fais ici mon mea culpa, mais accéder à des centaines de milliers de fichiers de tout type et de toutes origines, c'était génial. Un clic, un clic et hop, c'était dans la poche. Ma plateforme préférée Mega upload Des milliers d'utilisateurs se transférant des fichiers. Ah, on était en plein dans le pair à pair l'économie du partage, le collaboratif. Et puis, en 2011, j'ai découvert le visage grassouillé de Kim Schmitz, alias Kim.com, fondateur multimillionnaire de la plateforme s'étant enrichi sur nos idéaux révolutionnaires. Sacré bandades. Alors voilà. Les termes du sujet sont posés. Sortez votre brouillon du papier, vous avez 4 heures pour rédiger. Ou plutôt, non. Sortez vos tablettes, faites place nette, préparez vos tweets et c'est parti pour une nouvelle controverse. Merci, bravo. Merci, merci, merci Guillaume, bravo. Euh, donc je, pour ceux qui ne sont pas familiers de la controverse, nous allons commencer par deux plaidoyers de nos deux invités et ensuite il y aura un moment de débat et d'échange avec vous. On a tiré au sort, le premier à vous parler c'est Michel Bohens. Bonjour Michel, vous pouvez aller vous installer, je vais vous présenter. Vous êtes belge, vous avez commencé votre carrière au sein de grandes, entre... ouais. de grandes entreprises avant de vous consacrer à l'étude de l'économie collaborative il y a une dizaine d'années environ. Vous avez théorisé les communs et l'importance du pair à pair, le peer-to-peer. -peer, et vous êtes d'ailleurs le fondateur de la Peer-to-Peer -Peer Foundation. C'est à vous. Bonjour. <laughs> euh... J'étais à Berlin hier, euh, ce matin, et je serai à Belfast demain, donc c'est vraiment une visite éclair. Euh, je fais partie des 1% des 99%. C'est-à-dire, je voyage beaucoup, mais on, je ne gagnerai pas grand-chose. <laughs> bon, allez, je commence. Ce qui est 15 minutes, c'est quand même très court. J'ai l'habitude de parler beaucoup plus longtemps, donc je vais parler peut-être même un peu vite. Donc, d'abord, peut-être juste revenir sur le point pair à pair. Donc, je crois que c'est une grande révolution au niveau du genre humain. Je crois quand même que c'est important, même si ça ne produit pas l'utopie qu'on peut espérer. Donc, le fait quand même qu'aujourd'hui, les individus, les citoyens peuvent se connecter sans permission de personne à personne. Et donc, non seulement communiquer, mais s'organiser, donc créer de la valeur ensemble. Donc, je crois que c'est ça la grande promesse de la révolution père à paire mais je crois qu'il est important de faire quelques distinctions. Par exemple, la première, c'est entre le père-à-père père qui crée du commun et le père-à-père père qui crée des échanges. C'est une grande différence. Par exemple, quand vous regardez Wikipédia ou Linux ou Arduino ou Wikispeed, donc tous ces projets, ce sont des projets où on crée du commun, a des gens qui contribuent à une ressource partagée dont toute l'humanité, en principe, peut profiter. Il y a une autre forme de père à père qui est un père à père commercial, si on peut dire, c'est-à-dire des gens, comme avec Uber, on va mettre ensemble des gens qui peuvent s'échanger père à père. Donc il y a quand même une différence, c'est important de, de, de voir la différence entre les deux modèles. Il y a aussi, et c'est un peu la même chose, la différence entre le collectif et l'individuel. Par exemple, quand vous êtes Facebook, vous ne créez pas des communs. Vous échangez entre individus des liens, des vidéos, euh, vous vous donnez des nouvelles, mais il n'y a pas la création d'un commun, d'une ressource partagée. Donc les dynamiques vont être forcément très très différentes. La différence entre ah oui peut-être encore dire ça parce que c'est important le crowdsourcing par exemple souvent c'est pas commun du tout c'est à dire on met des gens en compétition donc il y a quelqu'un qui veut faire un design on dit qui veut faire le design il y a 99 personnes qui vont se mettre en concurrence et on va choisir un, et il va être assez mal payé. Là, il n'y a pas de création de commun, donc c'est un réseau, mais en fait, on atomise les individus. Donc c'est très important de faire ces différences. Matériel et immatériel, très important aussi. Il est assez facile de faire des communs immatériaux, parce qu'on a accès au réseau, on a son corps et son cerveau, et on n'a pas nécessairement beaucoup investir. Quand on est dans le commun matériel, par exemple l'open hardware, il faut. Il faut des endroits, il faut payer du loyer, il faut des machines, il faut des matières premières. Donc on voit très bien qu'il y a des différences là aussi. Pour donner un exemple, dans les logiciels libres, il y a des fortes communautés, donc c'est assez poussé par, les, par des communautés de contributeurs. Dans Arduino, et souvent, il y a des institutions qui représentent justement les intérêts des communautés, par exemple les fondations Floss, Free Libre Open Source. On voit par exemple chez, dans les productions matérielles que c'est beaucoup moins le cas parce que comme on a besoin de moyens et qu'on les a pas, on est beaucoup plus dépendant des entreprises. Très important aussi top down ou bottom up. Donc par exemple Linux a été commencé par un étudiant dans une université. Il a petit à petit il a tiré des gens. Donc c'est parti à partir de la communauté et après les entreprises se sont engagées vers Linux vis-à-vis euh, -vis des, des économies de partage, où vraiment c'est par exemple l'entreprise qui va faire du crowdsourcing, qui va contrôler le crowdsourcing. Donc il y aura une dynamique forcément très très différente. Il y a alors un, un, ex, euh, un, un dernier aspect, euh, lucratif ou pour le bien commun. Donc quel est le but du projet Je crois que c'est très très important. Prenez au départ crowdsourcing, euh, qui était donc euh, pas à but lucratif et qui était un vrai échange de départements vides dans le monde entier, euh, et Airbnb. C'est très, très différent, parce que le but est tout à fait différent. Alors, je voudrais... Moi, je ne suis pas très antagoniste, hein, donc je ne vais pas vous attaquer comme ça euh, avec un couteau. Euh, donc, je vais commencer avec des aspects positifs. Euh, les aspects positifs de ces initiatives. Pourquoi euh, Premièrement, ils financent la transition. Alors, ça peut paraître pas paradoxal, mais par exemple, Facebook, c'est un énorme investissement qui permet à 2 milliards d'êtres humains d'engager des relations père à père. Alors, on peut critiquer Facebook, et je le critique, mais en même temps, il y a un effet paradoxal, parce que les gens ont organisé des révolutions en utilisant Facebook. Donc, ça change les relations sociales, ça change la dynamique sociale. Et donc, là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, et quand on regarde l'histoire, ça a toujours été comme ça. Le, le, le féodalisme a été financé, si on veut, par les élites romaines qui, qui n'arrivaient plus à suivre l'ancien système. Euh, même chose avec les Capétiens. Donc, c'est pour avoir un vrai changement, c'est pas toujours tout à fait bottom-up, que ça se passait souvent parce que le système est en crise. Et il y a aussi, euh, on va dire, la classe managériale qui cherche des solutions et qui va financer des changements. Alors deuxième point positif, ce sont des fonctions nécessaires. Donc aujourd'hui, au niveau écologique et de la durabilité, euh, quand on pense qu'une comment on dit ça, une drille, euh, une, une perceuse. Tu utilisé six minutes par personne dans une vie entière. On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'aujourd'hui il y a un énorme gaspillage des ressources et que donc là la mutualisation des ressources c'est quelque chose d'important. Et ça Uber et Airbnb le font, c'est-à-dire ils mettent en connexion des gens qui ont des surplus et des gens qui ont des besoins. Une autre question est-ce que c'est à eux, est-ce que c'est bien eux qui devraient faire ça C'est une autre question. Mais en tout cas la fonction elle-même me paraît Très importante, mais il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs. Donc la première, à mon avis, c'est que le rêve principal du monde des réseaux, c'était la désintermédiation. On voulait un monde où les individus pouvaient se connecter sans sans, sans aspect centralisateur. On, on doit bien avouer que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu désintermédiation et puis il y a eu réintermédiation. Donc ces plateformes, ces réseaux, sont finalement contrôlés par des firmes. Des firmes monopolistiques euh, qui sont devenues des nouveaux intermédiaires et qui ont donc un énorme pouvoir. Donc, ils ne con contrôlent plus la chaîne des valeurs, ils contrôlent les écosystèmes dont nous avons besoin pour créer des communs et faire des échanges pair à pair. Donc, c'est ce en fait, une enclôture des communs, si on peut dire. Ils ont, ils ont clôturé cette possibilité euh, de communs non intermédiaires. Non intermédiaire. euh, deuxième point. Euh, Bien connu, je crois, c'est que ces nouvelles entreprises ne construisent plus, ils ne produisent plus. Donc, avant, une, une société qui musicale, elle produisait de la musique. On produisait des films. Aujourd'hui, YouTube ne produit pas des vidéos, Google ne produit pas des documents, Facebook ne produit pas de la communication, Uber ne produit pas des voitures, Airbnb ne produit pas des appartements. Donc on est là quand même dans quelque chose qui... C'est le côté négatif du côté positif. Donc on voit des entreprises qui obtiennent une, une, une avancée compétitive sans investir dans les infrastructures. Ça c'est un, un grand problème du modèle Uber et Airbnb. Deuxièmement, et ça c'est la vérité cachée de, de, de cet aspect compétitif, c'est qu'ils ne payent pas la sécurité sociale et toutes les choses qu'on a pu... Après des centaines d'années de lutte sociale, obtenir des entreprises. Donc là, on a des entreprises qui prétendent que ce sont des individus libres, qui participent librement à des réseaux, et donc ils sont considérés comme indépendants. Et donc là, il y a un appauvrissement, il y a une précarité qui est le résultat de ces nouvelles entreprises. Bon, je ne vais pas ajouter qu'ils sont assez créatifs par rapport justement à. Aller autour des lois existantes, et on sait très bien que les grandes entreprises comme Google, Amazon, etc., et probablement Uber, je n'ai pas vérifié, payent très peu de taxes en plus, comparé euh, aux autres entreprises. Il y a une atomisation des, des travailleurs, c'est très important. Donc, quand vous êtes dans un, par exemple, un skill sharing, je crois que ça s'applique euh, à Uber aussi, on va prendre TaskRabbit. Il est très facile pour la demande de s'organiser, mais l'offre, les travailleurs, peuvent très difficilement se connecter par par ces plateformes. Donc, ce sont des plateformes qui sont viciées, si on veut. Elles sont viciées pour avoir un poids négatif pour les salaires et le prix qu'on peut demander, parce qu'il y a une atomisation, il y a une mise en compétition des travailleurs, alors qu'avant il y avait des mécanismes de solidarité qui sont qui n'existent pas vraiment dans ce, dans ces nouveaux modèles. Mais le plus important. Et là, je crois que c'est peut-être moins vrai pour Uber que pour d'autres comme Facebook et Google, etc. Il y a, il y a une vraie euh, fuite de valeur. Ça, c'est très important. Hein, vous savez, quand on met un grand magasin euh, dans, un, dans un village, il y a 30% du flux économique local qui s'en va. Puisque l'argent qui est réalisé par ces grandes surfaces ne reste pas dans la localité, elle va ailleurs. Et on peut dire, je crois, probablement, que c'est le cas pour Uber. Donc là, vous avez... Un outil qui est en soi très utile et très, très, euh, qui, a, qui a son importance, mais du fait qu'elle est produite par un monopole, là, le surplus de valeur générée va aller vers les, les, les propriétaires qui sont probablement à Silicon Valley, etc. Alors, ça, c'est très important parce que on a un vrai problème aujourd'hui dans l'économie pair à pair, l'économie du commun, l'économie du partage. Et c'est vraiment une crise de valeur. Donc, on a d'un côté. Une capacité qui est en train de croître d'une façon exponentielle pour les citoyens de créer et s'organiser et de créer leurs propres valeurs. Donc l'utilité sociale, ce qu'on dit en anglais de, de use value, est en train d'exploser. Or la monétarisation euh, et, et, elle, elle augmente seulement d'une façon linéaire. Donc on a de plus en plus un gap entre les deux et donc on va vers une économie où de moins en moins de gens vont être payés et il y a de plus en plus de travail gratuit. Alors, on ne peut pas dire que c'est la faute d'Uber tout seul, mais c'est un peu le l'aspect négatif de, 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 de la façon dont le capitalisme prend contrôle de ce potentiel. J'ai encore le temps, quand même, là. Très bien. Je parle assez vite, comme ça, je peux tout dire. Quand même. Euh, alors, ah oui, quand même aussi une critique qui est, à mon avis, important, On va prendre Code Surfing. Donc des gens dans le monde entier qui ont des appartements vides et qui vont dire tiens pourquoi pas avoir des étrangers qui ont besoin et on peut avoir un contact etc. etc. Donc Couchsurfing a commodifié euh, l'hospitalité si on veut et alors il faut bien comprendre que Uber fait le contraire, elle commodifie l'hospitalité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un coût d'opportunité. Donc, si j'ai envie de, de mettre mon appartement vide sur Couchsurfing, je décide de ne pas gagner un argent que je peux gagner sur Uber. Donc, par rapport à la vraie économie de partage, Uber pose un danger, puisqu'elle va commodifier, c'est l'anglais, hein, commodify, commodification. Donc, elle fait, elle fait une valeur d'échange où il y avait valeur d'usage. Alors, on peut être pour ou contre, mais il faut quand même savoir que, que c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, premièrement, il faut quand même euh, réfléchir à une régulation. Alors, je crois qu'il faut faire attention à deux formes de régulation. Pour moi, il y a une régulation qui protège l'existant contre l'innovation. Pour moi, c'est problématique. Même, j'ai beaucoup de sympathie pour les chauffeurs de taxi, je crois qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne peut pas simplement protéger l'ancien. Contre le nouveau, à mon avis, ce n'est pas une bonne forme de régulation. Par contre, protéger les travailleurs, donc les, 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 les chauffeurs d'Uber, dont on sait qu'il y a beaucoup de conflits entre les chauffeurs et Uber, il y a, il y a eu des actions, il y, a, il y a une action en justice aux États-Unis, où certains, euh, certains chauffeurs veulent être reconnus comme travailleurs, etc., etc. Donc il faut quand même réfléchir forcément à cette protection des travailleurs et des consommateurs, qui n'est pas toujours. Présent. Troisième chose au niveau de la régulation, est-ce qu'on est certain qu'on doit, qu'on veut des monopoles Parce que c'est quand même des grands monopoles qu'on est en train de construire Google, Amazon, Uber, Airbnb. Chacun dans leur domaine sont très dominants, ont des positions monopolistiques. Donc là, il y a un travail euh, euh, régulatoire à faire. Alors, plus fondamentalement, moi je crois que les citoyens doivent se mobiliser. C'est-à-dire faire, faire nous-mêmes ce que Uber et Airbnb sont en train de faire. Par exemple, Séoul, qui, est, qui a une, une vision d'une ville de partage très très poussée avec, avec un soutien public et politique, elle interdit Uber. Mais pas pour protéger les taxis. C'est ça qui est intéressant. Ils ont interdit Uber pour donner le temps de faire des applications locales. Donc ils veulent stimuler une économie de partage. Local. Donc, c'est une vision totalement différente de l'économie du partage. Alors, on peut être pour ou contre l'interdiction, mais en tout cas, pour moi, ça a du sens. Euh, donc, là, c'est quelque chose que, que les services publics, que la politique publique peut éventuellement euh, réfléchir. Mais alors, comme citoyen, moi, je crois que si on veut solutionner cette crise de la valeur, on doit revenir à un vieux modèle du 19e siècle, c'est-à-dire les coopératives. Euh, je suis. Personnes partisans de deux choses, les coopératives de plateforme et les coopératives de data. Finalement, c'est nous qui créons cette valeur. Donc, quand on est sur Facebook et on communique, Facebook, sans nous, ça n'a aucune valeur. Bon, Facebook a son rôle, mais on est quand même tout au moins co-créateur de valeur. Euh, et donc, toute cette valeur qu'on crée ensemble, elle, elle s'en va. Et il on, n'y on, et on, a rien qui revient. Vers les co-créateurs de la valeur. Donc ça, c'est un vrai problème qui, à mon avis, peut être solutionné par des plateformes coopératives. Allez, je dois me dépêcher. Euh, et donc je crois qu'on doit venir plus fondamentalement à, une, à, une, à différencier des formes de capital. Le capital génératif, un capital qui crée de la valeur, qui co-crée de la valeur avec les communs, avec les communautés. Il y a un capital extractif, un capital qui extrait de la valeur de notre travail de commoner sans réinvestir dans, cette, dans ces activités. Donc là, il y a un vrai problème que j'ai en combien de temps là Il faut conclure. Il faut conclure. Allez, qu'est-ce que je vais conclure Alors, alors j'ai critiqué le business, mais on va faire un peu d'équilibre. Je vais critiquer la gauche. Pourquoi Ah ben oui, il faut bien. Il faut être, il faut être, hein, il faut être juste. Alors on a un problème. La gauche traditionnelle, elle a une idée, c'est il faut faire croître le marché, comme ça on a un grand surplus et on peut le redistribuer. Or, le commun, il décommodifie. Et donc, on a un grand problème. Deuxième grand problème, euh, qu'est-ce que je voulais dire là Deuxième grand problème. Euh, oui, oui, au niveau de l'emploi, tout à fait. Donc aujourd'hui, alors c'est quand même paradoxal, le mouvement ouvrier qui au 19e siècle prenait la libération de l'esclavage du travail. Aujourd'hui, l'idéal, c'est que tout le monde ait un, un job, un emploi. Et ça veut dire quoi L'emploi, par définition, c'est une, une, une relation de subordination. Donc voilà, l'idéal de la gauche aujourd'hui, c'est que tout le monde soit subordonné. Alors, ah ben oui, Alors qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui veulent faire des choses qui ont du sens. Ils ne veulent pas seulement travailler d'une façon subordonnée, ils veulent du sens dans leur vie. Donc, ils veulent, ils veulent des entrepreneurs, pas parce qu'ils sont néolibérales, mais parce qu'ils veulent eux-mêmes être indépendants et faire des choses pour le monde, pour la société. Et ces gens-là, ils sont précaires, ils sont orphelins. Donc, on a fait un système qui privilège les relations subordonnées et qui punit l'autonomie. Et ça, à mon avis, c'est une, vraiment une critique euh, qu'on peut, euh, qu peut leur adresser. Et, et donc, voilà. Je crois que j'ai encore beaucoup de choses Merci, à dire. Merci, mais... bravo. Juste un mot de la fin, vraiment. Vous Donc, il, pas faut, fini, de toute façon, il faut oui. une politique progressiste du commun. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Merci. La parole est maintenant à Alexandre Quintarquet, kaigre Merci Alexandre d'avoir accepté de venir. Tu diriges les affaires publiques d'Uber en France. Avant cela, tu as travaillé pour Étalab, la mission du Premier ministre français sur les données ouvertes et le gouvernement ouvert. La parole est à toi. Je te tutoie parce qu'on ne se connaît pas, mais on s'est tutoyé naturellement. Et d'ailleurs, on se tutoie aussi avec Michel naturellement, même si on ne se connaissait pas. La parole est à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai cru pendant deux minutes du discours de Michel que c'était consensus le nom de la conférence et en fait non c'est bien une controverse je reviendrai sur deux trois aspects d'abord merci merci à tous je pense que enfin moi je suis très content d'être là je... On parle beaucoup du beurre, on parle beaucoup de nous, on parle beaucoup sur nous. Ce n'est pas forcément les, les, les représentants du beurre qui, qui s'expriment, et parfois pour des raisons aussi légitimes. Nous, on est une boîte qui a 5 ans, on vient de fêter nos 5 ans. C'est une petite entreprise en termes d'âge. C'est évidemment une entreprise qui, qui connaît une croissance assez, assez fulgurante. Notre métier, et après je rentrerai sur le sujet de la, de la table ronde et de notre discussion. Mais notre métier, c'est fondamentalement de connecter une offre et une demande, de satisfaire un besoin. On le fait avec le transport de personnes. Et c'est vrai qu'on s'est lancé sur le marché du transport de personnes dans les, dans les villes. On est présent dans 329 villes, dans 60 pays. Il y a beaucoup de résistance au changement, même si ceux qu'on pense être les résistants au changement ne sont pas forcément. On critique beaucoup les taxis, ce n'est pas forcément si évident que ça. Euh, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur, euh, au fond, quelle est l'évolution, quel est l'avenir de cette économie et de ces, de ces modalités de transport. Et ça, je pense que euh, nous, on est euh, en train de, aussi de se structurer en France. Bon, C'était la, la sixième ville de, de Uber au niveau international, après cinq villes américaines. Euh, Paris, tu, tu l'as rappelé, Zia, tout à l'heure, Paris est une ville très importante dans, la, dans le code génétique de, de notre entreprise, parce qu'effectivement, euh, c'est... En 2008, on décembre en 2008 que l'idée euh, d'appliquer un peu de technologie, qui en 2008 euh, paraît assez fou, c'est-à-dire des technologies de géolocalisation, euh, pour satisfaire un, un besoin, qui est un besoin de mobilité, et, et je, je dis même mobilité au pluriel. Ça, cette idée-là en 2008, elle paraît assez folle. Je rappelle juste qu'en 2008, en juin 2008, naissance de l'App Store, euh, il y a très peu de smartphones. Je pense qu'on est, Android n'existe pas. C'est les technologies qui sont très banales, très évidentes euh, maintenant, mais elles ont à peine 5 ans. Et ça, je crois qu'il ne faut, faut pas l'oublier parce que c'est aussi sur cette rapidité technologique et d'invention technologique et de mise en œuvre dans des secteurs d'activité que arrive effectivement à, à, à naître un certain nombre d'entreprises de, de, et de, de, de succès par ailleurs tels qu'on qu les connaît. Et parenthèse d'ailleurs sur, sur la situation de la France. De part, tu le, tu le rappelais, j'ai eu des fonctions précédemment à Etalab pendant 4 ans. On a quand même travaillé dans l'économie de la donnée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de start-up, d'entreprises, d'associations françaises qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement dynamiques, extrêmement créatives. Et je crois que enfin, bien souvent, on voit le monde entre et tu le diras peut-être tout à l'heure, mais entre euh, la Silicon Valley et le reste du monde, mais sur ce genre de sujet, la France est là, la France est, est présente, et je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir de sentiment d'infériorité. Enfin, nous, notre, notre sentiment en tant qu'entreprise, qu certes américaine, mais en même temps avec une mise en œuvre d'une activité très locale, puisqu'encore une fois, le, notre échelon est, est celui de la ville, avec des, un business qui se fait vraiment au niveau des, des pays et des villes. Nous, c'est quelque chose qu'on voit vraiment. C'est-à-dire qu'il y a énormément, énormément d'entreprises, énormément de dynamisme, de diversité. Premier point de controverse avec Michel, c'est qu'on n'est pas une entreprise monopolistique, ça se saurait. Il y a un écosystème absolument incroyable, juste pour prendre le cas de Paris, d'entreprises concurrentes. On est une de celles-là. Il y a évidemment toutes les entreprises de taxi, il y a traditionnelles, qui sont elles aussi en train de. Mine de rien, d'enclencher un certain nombre d'évolutions et d'adoptions d'usages, de, 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 enfin en tout cas de, de technologies pour répondre à de nouveaux usages. Il y a évidemment des, des startups françaises, des boîtes françaises, Le Cab, Chauffeur Privé, Snapcar, Hitch, uh, vous avez uh, Marcel, qui sont une jeune entreprise dans un incubateur, Boulevard Raspail. Vous avez uh, énormément, énormément, de, au fond, de projets autour de la mobilité. Et je pense que ce n'est pas simplement la question de, de connecter et de mettre en relation avec des, des prestations de transport. Euh, comme on peut le faire, qui n'est pas forcément d'ailleurs de l'économie collaborative sur la plupart de, de nos services. Mais au-delà de ça, il y a toute la question de la mobilité dans un, dans un, dans un environnement urbain qu'il faut, qu faut adresser. Il y a des attentes extrêmement fortes de mobilité. L'émergence de sociétés, de, de, de boîtes françaises qui sont là, on pense tout de suite à Blablacar, mais il n'y a pas que Blablacar. On peut regarder aussi drive sur la façon dont, dont les gens repensent la propriété d'une voiture et comment ils peuvent finalement satisfaire un nouveau besoin ou des, des nouvelles attentes de mobilité grâce à l'existence à de ce type de, de, de service. Et ça, c'est effectivement il y a un dynamisme très fort en France, même si effectivement, notamment sur la partie financement, il nous reste sans doute un peu de marge en Europe pour rattraper le dynamisme le dynamisme américain. Donc ça, je pense sur le, sur cet aspect-là, on est on est nous une entreprise jeune, récente. De, de technologies avec une moyenne d'âge sur l'ensemble de, de la planète assez, assez jeune, qui souhaitons entreprendre et, et créer de nouveaux services. Et effectivement, c'est assez naturel pour nous que l'économie collaborative soit finalement une, un prolongement de, de notre activité. On a lancé il y a un peu plus d'un an et demi un produit dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui s'appelle Uber Pop, qui finalement permettait grâce à la plateforme de connecter deux particuliers, un particulier qui a besoin d'être transporté, puis un particulier qui avait une voiture et qui finalement opérait. Cette, cette, cette prestation de service pour lui-même, évidemment, mais, mais aussi dans un état d'esprit de partage et de, de, finalement de, de mise à disposition d'une ressource. Je pense qu'il faut jamais oublier que les voitures individuelles sont celles qui créent les congestions dans les villes, mais plus profondément, une voiture est utilisée n'est pas utilisée 96% du temps. C'est-à-dire que pendant 96% du temps, une voiture dort dans un parking ou n'est pas utilisée. Ça crée évidemment la nécessité de construire des espaces spécifiques pour les stocker, les parkings. Et on voit bien que les places de stationnement, le, 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 le stationnement dans une ville comme Paris par exemple, et dans les grandes villes, c'est souvent une, une problématique pour tous, les, pour tous ceux qui se, qui se déplacent. Et puis plus profondément, c'est évidemment, évidemment un actif qui peut, qui peut dormir. Et donc c'est une façon, mine de rien, pour un certain nombre de personnes de, de pouvoir amortir ou participer à l'amortissement de, de cette voiture. Le service POP, mais il y en a d'autres, vous le connaissez, enfin, on en a beaucoup entendu parler, est, est suspendu. Le Conseil constitutionnel euh, va statuer dans les prochains jours sur une décision, sur la loi euh, Tevenou qui avait, il y a un, un peu plus d'un an, euh, adopté une disposition contraignante à l'égard de, de, de ce type de service. Donc on ne va pas, j'en dirai pas plus, là-dessus ce soir, mais je pense que ce qui est très net, c'est qu'au fond, euh, les individus, les personnes, les, les gens ont des nouvelles attentes. Euh, des nouveaux besoins euh, et, et ont des envies de, de faire, et ont des, ont des envies de pouvoir être dans notre, dans notre secteur transporté, mais aussi pouvoir, dans d'autres types de, de, type de secteurs, pardonnez-moi, euh, ont envie de pouvoir trouver euh, un certain nombre d'autres types de prestations. On pense évidemment à l'hôtellerie euh, avec Airbnb, mais il y en a plein d'autres. Euh, et, et je crois plus profondément, il y a une volonté. Euh, on n'a peut-être pas de remise en cause, mais il y a un questionnement sur le fonctionnement des structures euh, traditionnelles. Je crois que c'est exactement le, le bilan qu'on a pu faire avec tous les acteurs de l'open data euh, ces dernières années, euh, qu'ils qu avaient engagé avant euh, même la création de Lab. C'est qu'au fond, il y a un besoin de transparence sur le fonctionnement de l'État, par la data, par les données, euh, par les données du, du service public aussi, parce qu'il y a un manque de confiance dans les institutions. Et donc ça participe aussi, euh, à mon sens, de cette, euh, de cette réflexion autour... Au fond de la société du partage, pour la société de la confiance. Et ça, c'est un point très important. C'est que la, la, la principale, le principal moteur de, de l'économie collaborative, comme de la, au fond de la logique de, de partage, c'est aussi cette recherche de confiance, cette recherche de relations. Michel le dit très bien, de relations de particulier à particulier, de pair à pair. Et ça, fondamentalement, j'ai croisé en arrivant. Euh, quelques anciens, euh, enfin des personnes que je connais sur l'open sur data. Euh, je pense que ça vaut pour les données publiques, ça vaut pour la culture, ça vaut pour un certain nombre de choses et ça vaut au fond aussi pour les services, quand bien même ils aient une, une, vision, une vision marchande ou une ambition marchande. Euh, alors après, c'est effectivement des évolutions euh, parfois un peu complexes dans nos sociétés où on n'a pas. Anticiper suffisamment en amont sur le plan du débat public, sur le plan des idées, alors même si on le fait là ce soir, euh, si on n'a pas anticipé ces changements. C'est vrai que pour un certain nombre d'acteurs traditionnels, ça peut être une source de, de préoccupation, une source de crainte, voire une source de, de remise en cause. Euh, pour autant, moi, mon sentiment profond, c'est que c'est une dynamique qu'on n'arrêtera pas. C'est une dynamique, la, la volonté des individus d'avoir de plus en plus d'interactions entre eux et au fond même peut-être d'aller jusqu'à euh, l'entrepreneuriat on parle beaucoup de la fin du salariat dans notre dans le débat public en ce moment je, 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 ma vision c'est qu'elle est, est foncièrement anxiogène et que je suis pas sûr que ça corresponde vraiment à la réalité la réalité c'est qu'effectivement il y a des gens qui ont envie euh, d'entreprendre pour un certain nombre de raisons euh, ils sont euh, protégés je reviens juste aussi sur un autre point de peut-être de controverses avec Michel, sur euh, c'est valable pour les chauffeurs Uber, mais c'est valable pour les 3 millions d'indépendants dans ce pays, ce qui représente quand même près de 15% des, de, la, de la population active, il y a une protection sociale. Il y a une protection sociale qui parfois est défaillante quand on pense au fonctionnement du RSI, j'en parlerai pas là ce soir, mais c'est quand même un des points qui revient quand vous parlez à votre plombier, quand vous parlez à une un artisan qui est, je ne sais pas, pressing, par exemple, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, de quelqu'un qui vous dit, mais juste, le RSI tel que ça fonctionne, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est des sujets en soi de la protection sociale des indépendants, mais ça concerne au même titre, enfin, euh, ça concerne 3 millions de personnes dans notre, dans notre pays, les, les divergences, les, peut-être même les, les inégalités ou les inéquités dans la protection sociale, dans son ensemble, entre eux, les indépendants, c'est une chose, et puis, euh, puis peut-être certains, certains endroits, enfin, certains... Salariés du, du privé ou du public qui ont peut-être cet avantage. Ces tensions-là, elles ne sont, elles sont, elles sont évidemment pas inhérentes à l'activité d'Uber. Je rappelle juste que les chauffeurs Uber sont soit auto-entrepreneurs, soit dirigeants de SASU, de, de URL ou de SARL. Donc, à ce titre, cotisent et ont une, une protection sociale. Mais ça, je crois que c'est vraiment un, un, un point important. C'est des, des débats qui vont être, qui vont être au. Posé dans les, dès maintenant, mais forcément dans les prochains mois, parce que il y a tout ce, tout ce ressenti sur une, de plus en plus de personnes. Regardez le nombre de personnes qui participent à un site comme Le Bon Coin, qui n'étaient absolument pas marchands dans leur, dans leur vie jusque-là, mais qui du jour au lendemain décident effectivement de vendre tel ou tel meuble ou tel ou tel, tel, ou tel bien. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, le sujet de la protection sociale est absolument transversal. Il est global, son, le sujet de l'équité dans le système, qui est un sujet peut-être franco-français, qui se différencie du sujet sur la protection sociale aux Etats-Unis, mais, mais c'est un sujet qui, de, qui devra être forcément, forcément adressé. Et puis un, un dernier point, moi juste là-dessus, je pense que euh, ce qui va nous différencier d'autres structures d'autres entreprises de technologie, c'est que même si on est une entreprise de technologie, à un moment donné, on ne vend pas de la pub. C'est-à-dire que les prestations, elles sont faites au local, elles sont faites dans les villes, elles sont taxées dans les villes. Et ça, je crois qu'il ne faut pas. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est vrai que on nous dit souvent, au fond, vous êtes encore un de ces grands groupes américains. On n'est pas de la Silicon Valley. Et par ailleurs, les prestations sont faites au local. Et je pense pour tous les utilisateurs beurre ou d'applications à peu près similaires, il suffit de deux clics pour vous en convaincre. Voilà, merci beaucoup et puis je serai ravi d'avoir des échanges avec vous dans les prochaines minutes. Il est 19h40, donc on a décidé, je ne sais pas si ça vous convient, j'espère, de, de donner la parole donc à nos deux invités pour qu'ils puissent débattre entre eux. Moi, je vais faciliter, poser des questions. Et d'ici à peu près 20-25 minutes, je vous donnerai la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer parce que ça va aller assez vite et on pourra conclure avec un, une deuxième intervention des jeunes de, du concours Fleur d'Éloquence. Tout d'abord, messieurs, est-ce que vous souhaitez vous poser une question, réagir à ce que a dit l'un sur l'autre, etc. Euh, euh, Michel, Alexandre euh, Non, ou, mais juste peut-être, parce que Alexandre. je ne suis pas dans ce genre de discours très présidentiel à la tribune, euh, on n'est jamais totalement complet. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition particulière sur, sur les communs, je pense qu'il y a des réflexions sur lesquelles... Je me retrouve bien. Par ailleurs, euh, c'est des choses sur lesquelles euh, on a pu, euh, on a pu travailler. C'est enfin un petit personnage, j'ai pu travailler ces dernières années. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait forcément d'opposition. Je, 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 sans vouloir faire une pique euh, gratuite, mais euh, le, le clivage gauche-droite, euh, business versus commun ou business versus, euh, je, je pense, je pense que c'est pas vraiment, vraiment. Euh, je pense que encore une fois, c'est surtout assez complémentaire, me semble-t-il. Michel. Oui, moi j'ai deux questions. Je ne suis pas certain que j'ai raison, mais allez, au niveau d'abord, au niveau de la protection sociale, je crois quand même, je ne suis pas français, mais dans la plupart des pays occidentaux, il y a vraiment une grosse différence entre la protection d'un travailleur et la protection d'un indépendant. Moi j'ai été les deux et j'ai quand même, en Belgique, il y a une grosse différence. Et objectivement, alors peut-être pas en France, mais objectivement, par exemple, aux Pays-Bas, où 25% des de travailleurs sont indépendants, c'est le groupe de la population qui a l'appauvrissement le plus rapide. Donc, ça, je n'invente pas, c'est tout à fait le cas. Et c'est le cas en Angleterre, etc., etc. Deuxième point, au niveau monopole, c'est vrai qu'on peut dire, on fait un clic et il y en a autre chose. Enfin, j'aimerais bien avoir des chiffres là-dessus, peut-être, parce qu'on peut dire, Google dit aussi qu'ils ne sont pas un monopole, mais euh, oui, il y a, a d'autres engins de recherche, mais enfin, personne les emploie. Donc, il y a quand même là, on peut dire, oui, il y a le choix, mais le choix, il est quand même un peu vicié au départ euh, par le poids d'une organisation telle que Uber dans ce domaine. Alors je précise, puisque je suis parisien moi, que les concurrents d'Uber sont un petit peu connus quand même à Paris. Hein. Il y en a même qui étaient connus avant Uber et qui étaient peut-être en place avant Uber. Est-ce que tu as des chiffres, Alexandre, sur justement la place d'Uber, la part de marché d'Uber sur Paris, en tout cas dans le VTC Parce qu'il y a deux... Il y a... Donc, il y a Uber Pop, qui pas, ce ne sont qui pas suspendu. des chauffeurs professionnels, qui est suspendu, mais il y a aussi les VTC. Est-ce qu'on a une idée de, de ces chiffres ou pas Alors, dans l'ordre, sur la protection sociale, ça c'est un sujet, je, je, je confesse, assez technique. Moi, je me suis un peu amusé cet été, au lieu de prendre des vacances, je me suis plongé dans le droit social français pour regarder et comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Vous avez, sur les 3 millions, à la louche, mais il y a 2 millions 850 000 travailleurs indépendants dans le pays, vous avez 93,5%. Qui cotisent au RSI, donc c'est le régime propre des indépendants, et vous avez donc le reste, donc 6,5 qui eux cotisent, sont, sont dits assimilés salariés. Mais l'ensemble des, des travailleurs indépendants ont une protection sociale que l'on dit alignée sur le régime général. Donc ça, c'est sans doute, enfin je pense que là pour le coup en, en France, quand bien même il y aurait sans doute beaucoup de discussions sur le, sur le système social et la protection sociale en soi, euh, il, est, euh, il est relativement euh, bien fait, euh, toute chose égale par ailleurs. Voilà. Sur la protection sociale. Je pense qu'il faut, faut, faut vraiment avoir en tête que quand vous êtes dirigeant d'une SARL, quand vous êtes auto-entrepreneur, que vous êtes patron d'une EIRL, c'est-à-dire une entreprise individuelle, au même titre d'ailleurs que les artisans taxis, enfin, nous c'est vraiment une spécificité aussi de notre secteur, c'est-à-dire que pour l'instant sur ce, sur, ce, sur, ce sur ce type de marché, historiquement depuis des siècles, ce sont aussi des, des travailleurs indépendants. Y a, donc ça, c'est aussi l'organisation propre de ce... La conséquence juste pour voir le côté évidemment protection sociale, qui, même si ça peut poser des questions sur, sur l'organisation du RSI, le financement du RSI, etc., ouais, euh, ouais. et sur lequel on aimerait d'ailleurs qu'il y ait une discussion plus, plus, plus politique, la, la, la vraie conséquence, c'est que pour les chauffeurs de VTC en règle générale, hein, ce n'est pas que ceux du beurre, ils ont évidemment la possibilité de pouvoir, faire, de, de pouvoir utiliser plusieurs plateformes au même moment et de choisir les plateformes qui leur apportent les meilleures connexions. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout, ça leur permet d'avoir leur propre clientèle individuelle. Et ça, je pense que c'est vraiment une logique, c'est-à-dire que ce sont des travailleurs indépendants, mais vraiment dans une logique très entrepreneuriale. Ok, sur la concurrence sur rapidement, et la... évitons peut-être d'entrer trop dans le détail. En plus, la protection sociale, par exemple, quand on était chauffeur de Uber Pop, il n'en était pas question puisque c'était censé être une activité qu'on faisait pour partager sa voiture. Mais pour moi qui ai utilisé Uber Pop, d'ailleurs c'était un service très pratique, des gens qui faisaient ça faisaient ça toute la journée et là ça devenait un travail. Est-ce que ça commençait à poser question sur la protection sociale, sur le travail dissimulé, etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs en fait qui appliquent à peu près la même règle, c'est-à-dire que jusqu'au seuil euh, d'amortissement du véhicule, euh, vous êtes euh, dans une zone où en fait vous faites ça à titre complémentaire. c'est vraiment du c'est la même chose que sur Blablacar si vous voulez par exemple. Euh, après nous on avait mis un, ça à partir du moment où il y avait ce, ce seuil de chiffre d'affaires qui était atteint, qui était de, de 7 000 et quelques euros par an, euh, dès que vous atteignez ce stade vous deviez être entre, auto-entrepreneur. Et comme vous le savez, le, le, le régime d'auto-entreprise est, est plafonné en termes de, de chiffre d'affaires. Vous pouvez pas aller au-delà de plus de 32 900 euros par an. Et euh, par ailleurs, c'est pas forcément le meilleur régime juridique. Il est très facile à mettre en œuvre, mais vous pouvez pas impacter vos coûts. Euh, donc, c'est pas forcément le meilleur régime après sur sur ce type d'activité. Donc, on avait cet effet de d'organisation sur sur cette pile de produits. Sur la concurrence. Oui, sur la concurrence. Un mot, hein, vraiment. Un sur, mot. Sur, sur, je pense qu'il y a au moins une bonne dizaine de concurrents hors. Et hors sur les chiffres, taxis, justement, les parts de marché Vous avez 55 000 taxis en France, 17 600 à Paris. Nous, on est à 8 000 et quelques chauffeurs. Des Snapcar ou chauffeurs privés, ou le cab, doivent en avoir aussi quelques milliers. Je ne sais pas s'ils ont communiqué déjà sur, leur, sur leurs chiffres. Mais Hitch, uh, qui est aussi un autre, un autre acteur, donc lui, sur un créneau identique à celui d'Uberpop. Hitch communiquait de mémoire, fin juin, il disait qu'il y avait 5000 chauffeurs sur sa, sur sa plateforme. Alors, on va éviter le, le débat technique sur Uber, comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné. Pour revenir sur le, le débat économique... Euh, on a utilisé plusieurs termes. il y a même, euh, donc, un témoignage sur facebook qui dit, qu il ne faut pas confondre économie collaborative et économie du partage. on a utilisé aussi le, le pair à pair, qui est un, un terme qu'on utilise plus en informatique pour échanger des fichiers, mais que vous avez conceptualisé un peu différemment. Euh, les communs, aussi, est-ce qu'on pourrait clarifier un petit peu? d'abord dire, tout simplement, est-ce que c'est différent l'économie du partage et l'économie collaborative? en quoi c'est différent, etc.? michel? Oui, alors les communs, donc c'est une ressource partagée qui est créée par une communauté. Alors le terme et a été qui... rendu célèbre en anglais avec Creative Commons. Donc, euh... Oui, mais déjà avant, donc les communs, oui. un, en anglais c'est un mot très connu, donc on a, on, il y a les fameuses enclôtures des communs. Donc euh, avant le 16e siècle, les paysans avaient les terres en commun, même sous la féodalité, et donc à, à partir du 16e siècle, il y a ce qu'on appelle les enclôtures, donc on commence à privatiser les terres. Donc c'est la fin des communs, si on veut, physique. Ceci dit, dans le sud, il y a encore énormément de communs. Les montagnes en Suisse, c'est du commun. Au Japon, des systèmes d'irrigation. Donc il y a quand même encore beaucoup de communs, mais peut-être pas tellement en Europe. Donc des ressources partagées. Voilà. Quoi. Et alors, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux communs. Donc aujourd'hui, les communautés de développeurs, des communautés de concepteurs créent des communs de la connaissance, Wikipédia, des communs de logiciels libres, des communs de design ouvert, qui mène aussi à du hardware ouvert, etc. etc. Donc on, on peut s'imaginer un nouveau mode de production où il y a une collaboration mondiale et une production locale. Donc on dit en anglais, what is heavy is local, what is light is global. Donc ce qui est lourd est local, ce qui est léger est global. Donc avec des microfabriques, etc., des nouvelles technologies, on peut réimaginer un mode de production qui est beaucoup plus... Local. Alors, économie collaborative, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. <laughs> okay. euh, euh, mais effectivement, il y a de plus en plus de collaboration et il y a des gens qui parlent même du communisme et du capital. Donc, quand on voit le livre Reinventing Organizations de Frédéric Glalou, qui est un compatriote belge, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de collaboration dans les grandes firmes privées que dans les syndicats ou dans les coopératives. Donc, c'est un peu un paradoxe qu'il y a dans, dans, dans la couche sociale des travailleurs de la connaissance, etc. Il y a beaucoup aujourd'hui de, 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 de dynamique horizontale. Euh, à part ça, pour moi, quand j'ai dit qu'Uber n'était pas l'économie du partage, c'est parce qu'il n'y a pas de partage. On vend, on loue. Euh, Peut-être Uber Pop, c'est différent, mais en général, on ne peut pas dire qu'Uber fait partie de l'économie du partage. C'est autre chose. C'est de l'échange. C'est une, une économie pair à pair basée sur des échanges commerciaux. Donc je crois que c'est important de, de faire ces différences. Un, un point là-dessus, effectivement, parce que il y, y a eu beaucoup de confusion. Encore une fois, je dis y a beaucoup de gens qui parlent sur nous, pour nous. Donc, c'est toujours très agréable, mais enfin, c'est toujours un peu compliqué d'avoir les, les choses à peu près exactes. L'équivalent d'un produit, d'un service comme Uber Pop existe, notamment dans d'autres pays. Il existe aux États-Unis, totalement une réglementation très favorable. Et donc, c'est vrai qu'on a une image au niveau global d'entreprises plutôt de l'économie collaborative, voilà, parce qu'il y a aussi ce produit qui, qui existe, qui existe bien dans d'autres pays, même si effectivement on voit que dans une zone comme l'Europe, ou notamment l'Europe de l'Ouest, ça a plus de mal à, à exister. Sans doute encore une fois par manque de, 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 de débat et de discussion et de, de maturité autour, autour du sujet, parce que l'intérêt encore une fois de, de ce type de, de produit, c'est de permettre à des gens de, de s'en saisir vraiment d'être acteur, je crois que c'est l'expression que tu utilisais, tout à l'heure michel mais d'être acteur de sa, de sa vie, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment cette dynamique-là. Oui. Donc... Je vais juste dire qu'il y a quand même aussi une vraie économie du partage. Donc il y a, il y a plein de sites. D'ailleurs, donc le nombre d'initiatives citoyennes, donc non étatiques et non commerciales, sont en croissance exponentielle dans pratiquement tous les pays. J'ai des chiffres aux Pays-Bas. Depuis 2005, c'est comme ça. Donc on voit que les citoyens prennent Énormément d'initiatives au niveau de la nourriture, coopérative d'énergie. Donc, il y a une vraie économie de partage aussi en dehors de, de cette, part, cette forme particulière qui, à mon avis, est mal nommée. Alexandre, -tu non mais veux je, juste hein, parce que j'avais un exemple, mais euh, peut-être que ça fera, ça rappellera de bons souvenirs à certains dans la salle. Mais euh, en 2013, enfin après deux ans de procédure administrative, euh, l'État a été condamné à, à ouvrir les chiffres de la réserve parlementaire j'aime bien le rappeler parce que c'est un... donc la réserve parlementaire pour ceux ouais. qui ne sont pas familiers c'est une somme d'argent dont dispose oui. en théorie chaque parlementaire et qui peut la redistribuer vers des ong vers des organisations entre, de son choix c'est entre 200 et 250 millions d'euros chaque année pour 932 parlementaires qui distribuent aux collectivités territoriales ou à des associations. Voilà, de manière discrétionnaire et sans rendre de compte. Euh, L'État a été condamné par le tribunal administratif en, en 2013 sur le sujet, a été obligé de, de publier, en tout cas de, de mettre en ligne ces données. Et la, la volonté du ministère de l'Intérieur, euh, c'était de dire finalement, on va mettre ça en PDF pour que ce soit vraiment pas réutilisable, pour que ce soit compliqué, au lieu PDF de le mettre, en, de mettre en, en CSV, euh, et que ce soit vraiment libre. Les CSV, ce de sont des tableaux, voilà, et PDF, c'est une photographie. Voilà. Donc ça a été fait vraiment volontairement. Donc il y a eu un, un très beau fichier qui est arrivé le 14 août 2013, euh, qui faisait 1036 pages euh, en PDF, en, en mode Allez-y, bon courage. Et, et qui moi, a je, été transformé et, et en je, commun Exactement. Et je pense que c'est ça la plus belle histoire, c'est qu'ils pensaient que jamais ce serait utilisable et réutilisable. Voilà. Et euh, quelques heures... Plus tard, euh, par justement les collaborations en ligne, euh, notamment à l'initiative d'une association qui s'appelle Regards citoyens et d'un journal comme Le Monde, euh, le, le, le CSV a été euh, republié euh, euh, sur Internet, mais en, vraiment en quelques heures. Et je trouve que c'est un bel exemple aussi de collaboration sur des sujets qui sont. Euh, Alors, qui ouais. Touchent à, un à mot, Michel, mais je voudrais qu'on continue sur le. Euh, le oui, pour expliquer re, le terme. Petite, ouais. petite remarque, peut-être, je ne suis pas certain euh, du degré d'ouverture d'Uber de, et Airbnb. Oui. Euh, par exemple, les algorithmes qui sont employés. C'est ça qui est un point important. C'est-à-dire que le rêve du père à père, c'était le contact direct entre les, les citoyens, etc. Et l'algorithme joue un rôle, finalement, qui, n qui empêche ce contact. Donc, on, on a, dans beaucoup de plateformes, on n'a pas cette liberté de voir l'offre et la demande sans l'intermédiaire de l'algorithme. Et donc, on est complètement dépendant du bon vouloir... Euh, de cette entreprise. Et on voit bien, par exemple, chez Google, moi j'ai toujours cru très naïvement que Google resterait objectif. Non, mais parce que c'est comme dans une biotech, on est obligé, si on commence à. à, à et, et or, on est, est forcé de constater que l'algorithme de Google est, f est vicié, qui, qui, qui font des changements. En tout cas, il font permet, des changements. On peut pas, on peut pas oui, savoir Oui, mais il y, y, y a beaucoup de recherches maintenant qui montrent que certaines entreprises, leurs entreprises, sont favorisées par rapport aux autres. Donc ça, c'est un facteur de différenciation important. Donc quand on dit euh, Uber, Airbnb, Google, etc., ne sont pas dans l'économie du partage, écartons peut-être l'autre terme que vous-même, vous ne comprenez pas, donc l'économie collaborative. Ce qui, est, ce qui les différencie euh, d'une autre plateforme, c'est notamment que leur code source est fermé. Est-ce que c'est possible pour elles de continuer à exister, de continuer à jouer le rôle que vous leur avez d'ailleurs dévolu, de, de, de faciliter la transition, en ayant un code ouvert Question que je vous adresse à tous les deux, est-ce que Uber peut ouvrir son, son code Je et, laisse et Michel répondre. Euh, je, euh, alors, petite anecdote, j'étais au WeShare a pas la dernière fois, mais la fois avant. Donc, WeShare, c'est une invitation française. Voilà, je ne veux pas nommer des noms, mais il y avait une personne d'une entreprise de covoiturage très connue en France et une personne d'un skill sharing, je ne sais pas comment on dit en français, donc pour les petits boulots, ainsi de petits boulots. Et donc voilà la conversion qu'ils avaient tous les deux. Pour la moi, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc la personne de cette entreprise de covoiturage disait, notre problème, c'est empêcher que les, que les gens se contactent entre eux après sans nous. Donc vision très claire de, de clôturer un marché, de le contrôler. Et l'autre personne de, du skill sharing disait, notre problème, nous, c'est d'empêcher de, que nos clients créent des niches particulières. Donc, pour le babysit, pour le. Donc, c'est ça. Finalement, c'est pour ça que moi, je ne suis pas très critique par rapport à Uber, parce qu'on ne peut pas empêcher d'un lion de, de chercher à manger. Donc, c'est la structure. C'est la structure même. J'aurais dû laisser Michel répondre. <laughs> je le savais. Alors... C'est la structure même de l'entreprise qui, qui, qui fait qu'on a cette logique. Alors, c'est quand même très important. Le père à père, c'est quoi ben ouais. Oui, ça se connecte, mais la gouvernance, la propriété, les algorithmes, les protocoles, le, tout ça est privé et on n'a aucun accès, on n'a aucun, euh, aucun, aucune voie là-dedans. C'est ça le problème de ce modèle, finalement, par rapport à la promesse originale du père-à-père. Alexandre, tu souhaites dire un mot sur ça Est-ce que d'abord tu n'es pas technicien, toi tu, tu es plutôt spécialiste de droit. De... Est-ce que tu sais si c'est possible d'avoir un modèle économique comme Uber en ouvrant son code, en ouvrant ses algorithmes, en, en montrant patte blanche sur l'ensemble de, de... Comme, comme tu le dis, je ne suis pas technicien. Ce qui est certain, c'est que on a, lorsque les pouvoirs publics par ailleurs ont, ont joué, je dirais le. Le jeu d'entrée en discussion et en dialogue, on a par définition un certain nombre de données sur l'activité urbaine. On est une infrastructure, Michel le disait, une infrastructure technologique de données, alors qu'il y a évidemment des données très confidentielles, des données d'ailleurs qu'on ne détient pas, etc., donc on ne communiquera jamais, pas de sujet là-dessus. Maintenant vous avez des données qui pourraient servir à des villes de, de s'engager encore un peu plus, par exemple, dans les, dans les Smart Cities, et euh, en tout cas dans, le, dans, le, dans rendre intelligents les process et les politiques publiques, par exemple. Et on l'a fait, par exemple, avec, avec la ville de Boston sur laquelle on, on, on travaille bien. Euh, et, et on a rendu un certain nombre de... Euh, on a mis en ligne, on a publié, on a partagé avec la mairie de Boston un certain nombre de données qui étaient essentielles pour leur politique publique. Et je pense que ça, c'est ce type de collaboration ou de partage euh, sur lequel les entreprises peuvent, son, peuvent, 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 peuvent chercher à, à être un peu plus actives. En tout cas, nous, on essaye de le, de le faire quand c'est possible et quand les gens veulent qu'on qu partage. Que, juste pour que les, les gens comprennent bien... Euh il existe des entreprises à l'échelle planétaire qui fonctionnent très bien, qui font de l'argent peut-être moins que potentiellement moins que Uber, mais qui fonctionnent avec des codes ouverts. C'est-à-dire que ça n'est pas euh, nécessairement un échec commercial si on ouvre son code et qu'on fonctionne avec un code ouvert. Ou, ou parfois ça n'est pas une entreprise commerciale, mais c'est une entreprise qui fonctionne. Euh, donc WordPress.org par exemple qui, qui fait une, du, du blogging. Euh, Mozilla, euh, c'est un autre exemple que tout le monde connaît pratiquement. Firefox, ça fonctionne avec du code ouvert. Il y a des milliers, et des milliers Milliers d'exemples, Michel. Oui, donc il y a ce qu'on appelle les open business models, c'est-à-dire des modèles économiques qui sont basés sur le partage, sur, sur, sur des ressources en commun, qui d'ailleurs aux États-Unis, c'est un sixième du produit national brut et 17 millions de travailleurs. Donc ça existe. Mais je crois que c'est une question de rente finalement. Je ne vais pas citer Marx, je vais citer Bill Gates et Warren Buffett, qui ont tous les deux dit à un moment donné donc le marché libre détruit le profit. Pourquoi Quand un marché est complètement libre, les, les prix ils descendent un petit peu au prix de, prix de revient. Et donc, pour être un monopole, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut contrôler le marché, et ça permet d'obtenir un surprofit. Donc une économie qui serait une vraie économie paire à pair serait une économie beaucoup plus distribuée, avec beaucoup d'acteurs indépendants, et ce ne serait pas une, une économie qui serait... Donc où il y a certaines firmes qui ont une rente, un surprofit, euh, plus grand, parce qu'en fait, ils empêchent le marché. Alors, je voudrais faire une remarque sur, sur, sur les data de Boston. Je peux me tromper. Alors, faut peut-être m'expliquer mais... parce que là, c'est un peu technique. Donc, des données collectées par quelqu'un comme Uber, ça peut être la circulation des voitures, la vitesse de circulation des voitures, les arrêts aux feux, etc. Ce qui peut permettre à une ville de savoir comment ça fonctionne, où est-ce que les gens commandent des taxis, à quel moment, et donc de changer, par exemple, la signalisation des feux, d'organiser de, voilà. toute une série de choses. Oui. Mais, que les, mais ma question la suivante. Est-ce que c'est des vrais open data ou est-ce que c'est des data qui sont négociés entre la ville et Uber C'est très différent. Parce que le grand problème des smart cities, c'est quoi Donc, Ce sont toutes les entreprises privées. Donc les smart qui... cities, c'est les, les villes intelligentes. intelligentes. Donc, tout, On en les... parle beaucoup en ce moment. Donc IBM, Samsung, enfin, des... toutes les grandes entreprises qui vont contrôler les big data et qui, selon leur bon vouloir, vont créer, vont négocier avec les villes. Euh... L'accès à ces data. C'est quand même très, très différent du open data où les données sont ouvertes à tous les citoyens, à tout le monde. Et pourquoi c'est différent Parce qu'on va se mettre en position de dépendance par rapport à des grandes entreprises privées qui vont contrôler les données des citoyens. Alors que franchement, ce sont nos données, c'est nous qui les produisons, c'est nos relations qui les produisent, c'est nos déplacements qui les produisent. Donc là, il y a une question de à qui sont ces données Alors, pour qu'on comprenne et qu'on avance un petit peu, on a, euh, vous avez expliqué que les grandes entreprises, comme Uber d'ailleurs, on, on, on euh, facilitent la transition, permettent de comprendre aussi les limites des systèmes existants, etc., euh, exploitent les possibles des communs, mais ont tendance à les clôturer. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle n'ait pas cette tendance Est-ce qu'il est, euh, est qu y a un moyen de faire en sorte qu'elle n'ait pas cette tendance, sans nécessairement d'ailleurs tuer euh, ces entreprises parce qu'elles ont enfin euh, elles ont un intérêt elles apportent quelque chose elles apportent notamment euh J'imagine de la confiance, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup sur le, 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 le développement du covoiturage. Les, les intermédiaires apportent de la confiance parce qu'il y a tout l'historique des utilisateurs et on sait que telle, telle personne ça s'est bien passé tant de fois. Enfin, elles ont quand même une valeur ajoutée. Comment est-ce qu'on peut faire pour préserver les communs et, et, euh, et en même temps, euh, voilà, ne pas être idéaliste parce qu'elles ont quand même défriché quoi ces entreprises. Donc, si ça devait être tout le monde qui devait défricher, on le saurait. Ça serait... ah, là je vais. Si vous me permettez, si tu me permets, Là, je vais encore une fois, critiquer plutôt la gauche, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas, pas du tout le seul à critiquer la gauche. La la hein. Il y a beaucoup éthique. de gens qui disent qu'il manque une politique oui. de gauche pour le numérique. Oui, je suis d'accord. Tout Bernard Stiegler tout au premier rang desquels. Alors, donc le problème aujourd'hui, il y a trois grands problèmes systémiques c'est la durabilité, la justice sociale et la privation, la privitation de la connaissance. Et donc il y a le, le, le mouvement open source, le mouvement des communs sur la privatisation des connaissances, il y a le mouvement de l'économie circulaire et tout ce qui est autour de la durabilité et l'économie solidaire et coopérative au niveau de la justice sociale. Alors, quand vous avez aujourd'hui un projet pour faire quelque chose de durable, par exemple, et ouvert, et bien vous avez un tapis rouge pour le capital à risque. Vous avez des incubateurs, vous avez des accélérateurs. Si vous voulez faire une coopérative, c'est vraiment difficile. On n'est vraiment pas aidé. Et donc, c'est le problème, c'est ça. C'est-à-dire que ben, l'argent, il est où Il est à Silicon Valley, il est dans le monde de la finance. Et donc, évidemment, qu'ils vont soutenir des projets qui vont dans le sens de cette clôture et qui permettent de créer des surprofits. Mais on ne peut pas leur critiquer, c'est leur métier de faire ça. Mais de l'autre côté, si par exemple, vous allez Wikispeed. Donc une voiture open source qui est cinq fois aussi efficace au niveau énergétique que toutes les voitures industrielles. Vous allez à Triodos ou une autre banque éthique. On va vous dire, on va vous demander où est votre collatéral. Donc euh, votre euh, collatéral qu'on dit en français euh, vos garanties. D'accord. Et pardon, je, je suis belge. Oui. c'est déjà 15 ans que je suis parti, donc j'oublie le français. Euh, donc je, je, je explique un peu le problème. Donc Wikispeed ne veut pas de brevet. Ils vont chercher un financement dans les finances éthiques et on leur dit où est votre garantie, où sont vos brevets. Et donc, ils ne trouvent pas de l'argent là où il devrait quand même être euh, euh, disponible. Donc, on est, on, est, on est vraiment. Il y a, il y a, il y a un manque d'infrastructure de soutien pour les alternatives et donc on est obligé de faire paire à paire, petit à petit, euh, dans les marges. On émerge difficilement. Ça, et, et le, il y a un, vraiment un vrai décidé où une politique publique pourrait jouer un rôle, à mon avis. Donc en gros il faut qu'il y ait une politique publique, quoi, c'est ça la réponse. Mais est ce que la politique publique, ça peut être l'Union européenne qui dit On va faire un Google européen? Parce que non, si pour je faire pose la même cette question chose parce que, que c'est ce vrai que quand, oui. quand on entend ça, on, on a envie de sourire. C'est-à-dire, on non. se dit encore de l'argent mis dans les poubelles parce que ça ne marchera jamais, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non. Comment est-ce qu'on oui. peut euh, mettre de l'argent dans, dans des projets sans que ça devienne des euh, machins administratifs oui. compliqués, etc., euh, en gardant la, la mobilité, la par, fluidité de ces projets citoyens, Partons des citoyens, partons des vrais groupes. Ce ne sont pas les États Dans les Fab Labs, faire. dans les hackerspace, dans les makerspace, dans les coworking spaces. Partons de là, partons des, des vraies expériences des, des jeunes qui sont en train de, de changer le monde, qui ont des besoins, et on, on, on construit des politiques publiques à partir des, des vrais besoins, des vraies initiatives, plutôt que de faire des grands rêves euh, impériaux. Finalement, c'est pour copier ce qui a déjà été fait, ça, ça c'est pas intéressant. Euh, si on a un Google qui a les mêmes caractéristiques que Google, mais qui est européen, pff, enfin, je sais pas, moi, moi en tout cas, ça m'excite pas. Euh, moi, je voudrais un Google avec, avec un algorithme ouvert où on, où on peut voir ce qui se passe et qu'on peut s'ajuster, etc. Et où on a un certain pouvoir, puisque c'est nous qui créons les documents, qu'on a un certain pouvoir sur les données, sur les banques de données, etc. ça qui est intéressant. Alexandre, la mission étalable pour laquelle tu travaillais avant de, de rejoindre Uber il y a 4 mois euh, a développé une, une API c'est-à-dire un, enfin un système qui permet de géolocaliser tous les taxis parisiens en temps réel, etc. Ça doit être, à, fin, ça doit être fini bientôt, mis à disposition de qui veut parce que ce sont des, des données ouvertes. Comment toi tu, tu vois ça Ça répond un peu à cette idée de commun parce que c est, c est, ce sont des données ouvertes que tout le monde va pouvoir exploiter. Euh, Est-ce que c'est quelque chose Intéressant Est-ce que c'est juste pour faire de la concurrence à Uber Est-ce qu'on va dans un bon sens, etc. Comment tu vis ça Et peut-être Michel a un mot à dire aussi sur ça. Alors, ce n'est pas Etalab en soi, c'est une autre équipe. Euh, voilà. D'accord, je, je croyais que a, a organisé sponsors des. sponsors du, du truc, oui. D'accord. Ouais. Euh, après, je n'ai pas trop de vision sur euh, quelque chose qui est en cours de, de préparation. Euh, ce qui est certain, je pense que le, le plus important, ce qu'on entend beaucoup, quand on, quand on discute avec les, les gens de terrain et les acteurs, et en l'occurrence sur nos métiers, les chauffeurs, qu'ils soient de taxi, qu'ils soient VTC, etc., c'est qu'au fond, euh, il y a sans doute une crainte légitime qui est de, 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 de ne pas, de pas vouloir être évincé par la technologie, ou de ne pas être évincé par un nouvel état de marché. Euh, et donc, au fond, et c'est nous ce qu'on essaye inlassablement de répéter, c'est-à-dire que les, les, les acteurs existants doivent pouvoir faire partie de l'avenir, ce n'est pas le sujet, au contraire, elles doivent pouvoir bénéficier de la technologie. Et donc, ça nous semble beaucoup plus important de, de leur dire, de dire, et on essaye de le pousser, tu parlais de politique publique il y a, il y a 30 secondes, mais on essaye d'expliquer de, que, publiquement, de dire justement, il faut redonner la liberté de choix aux, aux chauffeurs, quel qu'ils soient, et de pouvoir, eux, sortir de, parfois des relations exclusives qu'ils ont avec les, avec les uns ou les autres, mais de pouvoir justement reprendre euh, le, le, leur, leur, leur destin entrepreneurial en main. Parce qu'au fond, c'est ça. Ou artisanal, ça dépend de leur statut. Mais, euh, mais pour nous, ça nous semble très important de, encore une fois, quand vous êtes, quand vous êtes chauffeur, de pouvoir faire votre, euh, votre activité et, euh, et de pouvoir choisir librement vos intermédiaires. Michel Oui, là, je voudrais peut-être aussi faire une, une petite remarque. Il y a quand même des visions qui sont assez différentes. Donc, il y a une vision qui est cette vision que tu viens d'expliquer. Donc, c'est l'individu qui fait ses choix, etc. Et c'est un peu, euh, un, peu une, une, un idéal d'un marché libre, si on veut. Hein et, et par exemple, au niveau des data, ce serait chacun, chaque individu euh, génère ses data et est propriétaire de ses data et décide ce qu'il va faire avec ses data. Ces données. Euh, avec ses données, pardon. Non, non, mais on oui, utilise enfin, on les deux. Utilise mais... dans aussi Big Data. Hein. Et, et et il y a une autre vision qui est une vision de mutualiser, c'est-à-dire c'est nos relations qui créent, c'est nos activités collectives. Donc il y a aussi une vision qui est plus de mutualiser, donc de ne pas tout miser sur l'individu qui est totalement libre et totalement isolé, mais aussi de viser sur des, sur des modes qui sont plus collectifs. Alors je vais peut-être donner un exemple, moi je suis très enthousiaste, c'est un, 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 un exemple qui combine un peu les deux mondes, parce que ce sont des entrepreneurs, c'est Inspiro. Qui est une communauté d'entrepreneurs néo-zélandais, mais qui est maintenant en train d'émerger un peu partout. Et c'est un peu comme une guilde, c'est-à-dire qu'ils se sont mis ensemble. Ils mutualisent leurs besoins, leur infrastructure. Donc ils, ont, ils font Lumio, qui est un, un logiciel de, de décision démocratique Co-Budget, qui sert à réinvestir le surplus de leur communauté. Donc, ça, c'est autre chose qu'un individu qui choisit tout à fait tout seul, à tout moment, ce qu'il a envie de faire. C est, c est, une société, c'est plus que ça, c'est aussi euh, faire ensemble, mutualiser. Euh, donc je crois qu'il qu faut bien voir qu'il y a aussi quand même une, une, un aspect là, une polarité là. On va conclure, enfin, on va, avant de donner la parole au public, d'ailleurs, je ne sais pas si le micro est prêt, préparez vos questions. Euh, vous avez mentionné la mutualisation des biens. Euh, qui dit évidemment mutualisation des biens, c'est une baisse de production. Qui dit baisse de production dit moins d'emplois salariés parce qu'on va construire moins de voitures puisqu'on va mieux les partager, moins de perceuses, etc. On parle aussi en même temps de robotisation parce que toutes ces données qu'on collecte permettent de faire marcher des machines qui marchent parfois mieux que les humains. Il y a des gens qui prophétisent que dans 20 ans, les hommes n'auront plus le droit de conduire de voitures. Alors là, les chauffeurs de Uber et les chauffeurs de taxi seront mis dos à dos parce qu'ils seront tous dans, dans la même difficulté. Euh, il y en a qui parle aussi des études extrêmement sérieuses qui, qui disent que 50% des emplois euh, seront détruits d'ici euh, 2025, donc dans, demain, euh, dans la plupart des, des pays développés à cause de la robotisation. Euh, est -ce on, enfin, on, et vous l'avez un peu évoqué, hein, c'est-à-dire en disant les socialistes ou la gauche dit il faut un emploi. Comment est-ce qu'on va pouvoir dépasser ça en si peu de temps Comment est-ce qu'on va réussir à changer les mentalités euh, -ce on va, comment on va pouvoir faire si ces choses-là, qui ce n'est pas de la science-fiction, c'est demain, c'est écrit noir sur blanc dans des dizaines et des dizaines d'études, comment est-ce qu'on va réussir à, à faire ça, enfin à dépasser ça, à vivre ça Alors je vais peut-être vous étonner, mais peut-être étonné. Ce n'est pas que je n'y crois, crois pas, pas, mais je crois que c'est un faux débat. C'est-à-dire, on, on, on mise tout sur la technologie, mais en fait, c'est un problème social et politique. Donc on a, on a déjà connu ça dans le passé. Donc on, a, on devient plus productif, on crée un surplus. Et où va ce surplus dans une société qui marche bien, ce surplus va être réinvesti dans le futur. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tous les gains de productivité depuis les années 80 ne vont plus vers les travailleurs, vont directement vers le monde financier. Et là, ça circule en circuit fermé, dans le circuits spéculatifs. Donc le problème de l'automatisation en soi, c'est une bonne chose. Si on a moins de travail, et surtout moins de travail douloureux, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces gains de productivité Et dans le système actuel, ça va se passer très mal puisque ce surplus n'est plus... Donc on va, on va avoir un système précaire, etc. Donc ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème, de, par exemple, de revenus universel ou de revenus de base ou d'autres ou formules, mais qui permettent de redistribuer le surplus et le gain de productivité. Et parce qu'il y a plein de besoins dans le monde. Moi, je vis en Thaïlande et c'est un paradis. Euh, il, y a, il y a quatre massages... Euh, 5 euros pour deux heures, bon, donc moi j'adore les massages mais ici en France... Il n'y a on pas est, de, je... de connotation sexuelle dans non, non, les massages non, non, en non, Thaïlande, je vous, du vous, tout. vous non, le non, dis pour ceux qui n'ont pas voyagé. Non, non attendez, c'est avec, <laughs> avec les coudes et les genoux et ça fait mal et on crie tout le temps et puis après on est content. Euh, donc ça n'a rien à voir. <laughs> euh, ce que je veux dire c'est qu'on a, a, a plein de besoins euh, qui dans, dans nos pays sont très difficiles à, à avoir. Parce qu'ils sont chers, parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, une, une société qui a moins de travail pourrait très bien investir dans la culture, dans la poésie, dans, dans le massage, <laughs> etc. C'est ça que je veux dire. Donc, les besoins humains ne sont pas limités à ce qu'on croit aujourd'hui. A... Mais euh, on comprend euh, en tout cas oui. qu'il faut vraiment repenser tous les modèles et, et tous les modes de fonctionnement. Alexandre, tu as fait oui de la tête. Euh... Oui Pas au massage. Hein, je... <rire> non, non. <rire> On a tous constaté que la vie de Michel était très dure. Ah oui, oui. C'est-à-dire sur, ouais. sur les gains de productivité qui euh, vont... Euh, voilà, qui vont non, au grand mais capital. Je, je, moi, je ne suis pas spécialiste d'économie. Mais... Enfin, je ne sais pas ça, moi, je, ce que je, ce que je, je suis absolument persuadé, et, et je fais confiance dans la créativité de l'individu et du collectif, pour le coup, pour inventer de nouvelles solutions à de nouveaux besoins et de nouveaux usages. Je pense que personne, personne, bon, personne, ça, je vais je, je, je mais plus que ma chemise à parier, c'est-à-dire que plus, personne n'est en capacité de nous dire quelles sont les, les technologies qu'on utilisera dans 50 ans. Pas plus qu'il y a 50 ans, quelqu'un était capable de nous dire ce qu'on allait utiliser en termes de technologie aujourd'hui. Et, et, au hein. et même il y a ans. Et même il y a 5 ans, évidemment. Je prends un cas très extrême de 50 ans, mais euh, je, je, je pense qu'il n'y a pas, pas trop d'inquiétude sur ça. Je pense qu'encore une fois, la, la, la société, c'est peut-être la conclusion. Après, la question, c'est évidemment quelle réponse on apporte à cette question, mais c'est une question politique, foncièrement politique c'est quel type de société voulons-nous quel type, de, 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 évidemment, d'économie voulons-nous. Mais moi, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'à la fois l'invention technologique, qui n'est pas un phénomène d'il y a cinq ans, que l'invention technologique peut être mise au service de chacun et, et, et a fortiori, sera déployée par un certain nombre d'entrepreneurs qui prendront des risques, mais aussi utilisée par des associations qui rendront la démocratie meilleure, je l'ai vu, et puis un certain nombre d'autres personnes qui s'engageront dans leur quotidien, pour donc je suis pas très inquiet en fait du futur. C'est peut-être euh, le propre de ma génération, mais, euh, mais on n'a pas grand chose, mais on n'est pas très inquiet. Merci. Euh, question. Merci monsieur. Vous allez prendre un micro comme ça, tout le monde entend. C Combien de personnes souhaitent poser une question Poser une question à Alexandre. Un instant juste. Ouais. Un, deux. <coughs> pour que j'aie une idée. Juste une deuxième question. C'est tout. Trois. 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 Ok, parfait. Pardon, monsieur, allez-y. Je vais poser une question à Alexandre. Que pensez-vous de la décision d'un tribunal de Californie d'assimiler les travailleurs d'Uber à des travailleurs normaux non, Vous faites référence à la décision d'il y a une semaine. C'est une décision en fait, d'un tribunal qui autorise une class action à avoir lieu. Il y a une, effectivement une class action. Donc une class action, c'est une, une action le fait. collective Pardonnez-moi, on va éviter les anglicismes, mais c'est une, une action collective. Effectivement, qui a été engagé, et c'est une décision qui autorise cette action collective à avoir lieu. C'est pas une décision sur le fond pour autant. Et donc, en gros, c'est plusieurs personnes qui ont été chauffeurs pour Uber, qui considèrent qu'ils étaient comme des employés à plein temps de la compagnie et non pas des prestataires, etc. C'est ouais, ça et, Enfin, voilà, c'est pas des partenaires. Je, je n'aime pas trop le terme prestataire, mais des partenaires, effectivement. Et je pense que la, la, la spécificité américaine est très différente de, de ce qu'on peut voir en Europe de l'Ouest, par exemple. Et une question à Michel. Oui. Sommes-nous devenus que des données Non. <laughs> non, je ne crois, je crois pas du tout. Mais je crois quand même que c'est dangereux parce que si on met le pouvoir sur nos données dans ces entreprises, comme Facebook par exemple, qui a au moins 800 pages sur chaque individu qui participe dans ce réseau, et quand on sait qu'ils manipulent... Nos, nos, nos comportements avec des, des petites invitations qui ont l'air innocentes. Avez-vous changé votre photo aujourd'hui euh, Donc, ça, ça, ça c'est connu, hein, c'est parce que donc, quand une, 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 une femme change sa photo, environ une douzaine d'autres copines vont aussi changer leur photo et 300 plus de mâles vont visiter les photos. Donc, <laughs> voilà. Donc, Bon, ils sont tout le temps en train de, de, de nous manipuler. Donc, ils sont en train de, de créer une, une connexion directe entre la subjectivité euh, et leur système de, de contrôle. Ça, c'est quand même un danger. Donc, on a notre subjectivité, mais dans quelle mesure sommes-nous vraiment libres quand nous sommes constamment manipulés à notre insu C'est ça qui est important. À notre insu. Excusez-moi, on n'entend pas. On n'est pas obligé d'aller sur Facebook. Merci pour, pour la remarque, évidemment. Ouais. Mais il y a, y, a, y a ce qu'on appelle un effet de réseau qui est très engageant. C'est-à-dire que bon, les personnes qui ne sont pas sur Facebook peuvent en souffrir parce qu'elles sont exclues de toute une série de choses liées à cet effet de réseau. Mais vous avez raison. Ou oui, oui, bien sûr, chacun est libre. Euh, merci. Je, je, dis tout, je dis tout haut ce que vous dites parce que les autres n'entendent pas. Hein, ce pas pour Est-ce que. Donc, madame, oui. Euh, moi, je me demandais si l'économie euh, de partage ou euh, collaborative, finalement, euh, pouvait être vraiment monétisée. Et si euh, on part du principe que le moteur euh, de l'économie de partage est la confiance, si on le remplace euh, par l'argent, est-ce qu'on ne remplace pas la confiance par le profit Je n'arrive pas à vous suivre. Voilà, mais je suis en tout cas, Michel... simple, est-ce que l'économie de partage peut être monétisée Est-ce qu'il y a de l'argent nécessairement dedans euh, Je vais répondre très spécifiquement à la question. De telle que moi je la comprends, parce qu'il y a des recherches là-dessus. Donc les systèmes de confiance dans les systèmes monétisés ne marchent pas. Donc dans, dans tous les sites où on, on donne la confiance et qu'il y a un intérêt personnel qui est lié à l'argent, ça ne va pas. Donc les gens se, se félicitent mutuellement. Okay. Donc je vais, je vais te donner un, une, une bonne cote parce que je vais recevoir une bonne cote. Et ça c'est vraiment, vraiment biaisé, ces systèmes-là. Et il ne serait pas biaisé s'il n'y avait pas ce. Mais ça, c'est le système oui. de recommandation. Mais dans la confiance, il y a l'assurance aussi, par exemple. Airbnb a développé une assurance. Euh, il y a plein d'éléments qui ne sont pas que de l'ordre de est-ce que l'appartement est aussi joli que ce que disent les autres il y, y a des éléments. Le, la personne a déjà reçu des gens qui ne sont pas mortes euh, et qui, ont, qui sont rentrés chez elle après. Enfin, non, mais c'est vrai. Au début de, de l'économie de, de partage, etc. Il y a ce niveau de confiance aussi. C'est pas simplement dans, dans les jugements. Oui, mais alors on, 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 je vais donner un exemple. Avec qui on est, il a un profil Facebook connu, etc. Alors, un autre exemple, c'est Couchsurfing, donc qui était à la départ une communauté qui était gérée par un, une non-profit, je crois. Et ils sont devenus une big corporation, donc une, une, qui peut faire du profit aussi. À partir de ce moment-là, ils ont créé une deuxième couche qui est payée pour la confiance, c'est-à-dire pour vérifier vos données, etc. Euh, et donc tout de suite, voilà, c'est y a, y a, y a, biaisé, parce que maintenant, les gens qui ne payent pas, ben, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance Donc c'est ça le problème de monétiser ce genre d'échange, c'est que, que ça va créer... Euh, des problèmes en fait. Et retour Alors, à la question plus fondamentale est-ce je... qu'on peut faire de l'argent ou monétiser les relations dans l'économie de partage ou l'économie collaborative Alors, je, je... Oui, parce que je, ouais, ouais. Alexandre. juste en gros, Alors, ce que je propose, c'est aujourd'hui, donc pour pour éviter l'extraction de la valeur, de la valeur que nous créons en tant que citoyens par nos échanges, etc. C'est euh, donc on crée un commun. Le commun est abondant. Donc là, il n'y a pas de marché, mais il y a plein d'activités autour du commun. Et là, on peut créer nos propres coopératives qui créent des services à valeur ajoutée et donc se créer une vie autour de notre passion et autour de notre co-création du commun. Et ça, c'est tout à fait possible. Peut-être pas à l'échelle du d'Uber, mais créer des, des entreprises viables euh, qui créent un, un revenu parce qu'il faut quand même vivre dans notre société. On ne le reçoit pas autrement. Euh, Peut-être un jour, on aura un revenu inversé, mais en attendant. Donc on peut créer des entreprises euh, coopératives qui réinvestissent la valeur dans, dans notre propre vie et dans, et dans les communs que nous co-créons. C'est un Donc, modèle qui existe déjà dans le logiciel libre avec des, oui. des entreprises qui sont spécialisées dans certaines solutions, qui vont les vendre et les adapter à des entreprises, mais qui se servent à l'origine d'un code ouvert, etc. C'est ça. Qui ne sont, sont pas nécessairement la, la copropriété des, des développeurs. Donc c'est ça. Moi j'ajoute une petite couche. Oui, oui. Donc je trouve qu'il faut... Que, J'appelle ça des coopératives ouvertes, c'est-à-dire okay. des coopératives qui co-créent du commun, qui ne travaillent pas uniquement pour leurs membres, mais qui en même temps créent un bien commun qui est soit utilisé au-delà de la propre communauté. Alexandre, rien à dire Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais, mais c'est peut-être qu'il y a une boîte dont on parle beaucoup et qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais se dit plutôt de l'économie du partage, qui est Blablacar. Blablacar a annoncé il n'y a pas longtemps qu'elle allait faire une levée de fonds de 160 millions de dollars. Et ça la valorise à un milliard d'euros. Donc il euh, y, y a quelques exemples quand même. Tu parlais des entreprises de logiciels. Où, où, enfin voilà, c'est ça aussi. Il y, y, y a des entreprises, il y a des activités autour effectivement de, 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 ces, de ces entreprises là. Est-ce qu'on peut, juste une question que vous m'inspirez du coup, est-ce qu'on peut légiférer sur la partie que prennent ces entreprises Par exemple, ces entreprises vont calculer ce que ça vous coûte réellement de prêter votre voiture ou de le partager un trajet et limiter vos bénéfices. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour ces entreprises, c'est-à-dire calculer combien ça leur coûte de nous mettre en relation et limiter leurs profits à ça C'est une question naïve, hein, mais... C'est une chose quand même que Hubert a fait quelquefois et qui n'est pas très gentil euh, c'est quand il y a des crises, euh, comme un attentat terroriste à Sydney, que tout à coup le prix euh, monte en flèche, et donc donne l'impression, et c'est vraiment, c'est pas bon pour les relations publiques, euh, qu'il profite du malheur des gens. Donc là, je crois que, bon, maintenant je crois que a déjà appris parce qu'ils ont, ils ont des projets pour les réfugiés, etc. C'est peut-être Airbnb, j'en me rappelle plus. En tout cas. <laughs> Euh, non mais ce qui est, est important, la je, Barcelone plutôt. je non, crois non. que là on peut quand même on aider IMD. on peut quand des limites je crois que là il serait important de légiférer on pourrait par exemple prendre des prix maximum à mon avis ce serait ce serait utile euh, donc c'est à dire de ne pas soumettre le besoin de mobilité uniquement à l'offre et la demande mais de mettre des, des, une, une limite éthique. Donc quand il y a un attentat, ben euh, je suis ouais, désolé, mais en fait je ne veux pas qu'on entre dans le détail de cette histoire, oui. parce que je ne sais pas qui calcule les prix, mais j'ai l'impression que c'est un algorithme chez Uber en fonction de la demande, etc. Donc peut-être que là, ils n'avaient pas modulé. Mais ma question c'est ce qui choque toujours, c'est la réponse. part qui est prise par ces entreprises dans leur service. Uber, 25%, si je ne me trompe pas. Ce ouais. qui moins bon 22,4 <laughs> euh, ça choque en fait, parce qu'on se dit, euh, en fait ils sont en train d'offrir de, de, un service qui doit leur coûter peut-être 8%, enfin je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen de, de trouver des solutions de, de cet ordre-là aussi C'est-à-dire qu'elle touche une part qui est proportionnelle à ce qu'elles font exactement, et pas à, à de la, à, à, qui ne va pas rapporter des fortunes à des entreprises comme Goldman Sachs et compagnie qui misent dedans est-ce que c'est possible Non, juste pardon, je suis désolé, je suis obligé de vraiment de revenir sur le point précédent parce que euh, quand vous êtes une boîte qui a 5 ans, en l'occurrence moins de 5 ans, euh, vous ne pensez pas forcément à tout, vous ne faites pas tout, et, euh, et c'est vrai qu'on a un principe de tarification dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'état du marché, de l'offre et de la demande, dans les situations où il y a moins de chauffeurs disponibles, c'est-à-dire une offre restreinte, et il y a beaucoup de demandes, on applique euh, le, ce qu'on appelle la tarification majorée, une majoration tarifaire. Pour en fait inciter les chauffeurs à venir euh, se connecter à ces moments-là. Donc c'est des, des moments très spécifiques. Ça va être le, parfois le samedi soir et paf, parfois c'est pas forcément euh, si euh, évident et si net que ça. Ça peut être le matin aussi. C'est vrai que quand on prend un Uber, les, moi je l'ai pris avec des chauffeurs que... qui m'ont expliqué. Là on a une alerte qui nous dit que dans tel arrondissement de Paris ouais. c'est deux fois le prix. Du coup ça les incite à aller. Il y a payé. deux conséquences à ça. C'est-à-dire que s'il y avait suffisamment de voitures sur le réseau. Et si les réglementations, pardon d'être un tout petit peu technique, mais si les réglementations étaient favorables à l'heure actuelle, il n'y aurait pas de majoration tarifaire. S'il y avait suffisamment d'offres pour satisfaire la demande, c'est vraiment la démonstration mathématique, scientifique, qu'il y a beaucoup de demandes. Je ne parle pas des cas... On a compris en tout cas, a... c'est pour ça que je ne voulais pas mais, entrer dans, ouais, dans je, le je, détail. Je, je, pense, ma question, je, 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 je reviens quand on revient à, à ma question. C'est un point vraiment important. On, on a désolé, compris en tout cas ouais, que c'était... Sur, sur le principe, c'est qu'évidemment, il ouais. y, eu, euh, y a eu deux exemples, enfin un exemple où la majoration tarifaire, je pense n'a pas été plafonné lié à un événement qui surprend, a surpris tout le monde et tu parlais d'attentat, je pense c'était c'était le cas. Donc évidemment c'est des choses sur lesquelles la boîte est aussi dans une logique d'apprendre, enfin d'apprendre et de développer des, des, des lignes directrices dans ce genre de cas et voilà c'est le genre de situation qui peut arriver à peu près partout dans le monde en fonction des, des catastrophes ou des événements. On a compris alors peut, alors du coup Michel, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut limiter les alors, je... Je ne connais pas très bien, donc je ne vais peut-être pas me prononcer là-dessus. Donc, moi, je crois qu'il qu faut pas des de limites... de, C'était une question générale sur la part que prennent les intermédiaires. Okay. Oui, alors je ne sais pas, je ne vais pas me lancer, okay. mais je voudrais simplement dire qu'une firme privée, par sa nature, va, va prendre un surplus pour rémunérer ses investisseurs. Et c'est beaucoup plus qu'on croit. Euh, L'État aussi, peut-être. J'ai donné l'exemple dans le open hardware, donc le, le, le prix de le prix de revient du open hardware, donc des, des produits qui ont été faits pour des communautés open source est, est environ un huitième du prix de revient de machines commerciales du même type. Donc du du coût pas du, du prix coup, de revient du coût coup, du, du coût coup coup d'achat. Coup, le oui. Oui, euh, les drones c'est 1%. Euh, open OpenSPIM, le microscope c'est mille dollars, et un, 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 un microscope similaire c'est quinze mille dollars. Donc on voit quand même bien que les entreprises prennent énormément euh, de valeur euh, qui, qui, qui sort du système finalement. Donc voilà tout l'intérêt de créer des, un nouveau type d'entreprise co-créatrice de commun et qui, où le surplus est beaucoup plus raisonnable par rapport aux firmes privées. Ceci dit, a... je, je ne juge pas le, le, y avait une le, le dernière montant du père ouais. si c'est justifié ou pas. Merci beaucoup. Il y en a une dernière une dernière, dernière Ok, ça sera pour vous madame. Oui. Moi, je pose ma question à vous deux. Donc, je voulais savoir, on entend de nombreuses critiques des syndicats et des politiques de gauche euh, par rapport à une fin possible du salariat traditionnel. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette nouvelle forme d'économie va donc euh, enfin, offrir à beaucoup plus d'opportunités à des gens qui seraient non qualifiés, justement oui, alors je ne crois pas non plus qu'on doit exagérer, c'est-à-dire le salariat va pas disparaître comme ça du jour au. Moi, moi, je, mais je, moi je plaide pour une équité, c'est-à-dire mais je crois qu'il y a vraiment une demande aujourd'hui de sens et que le, le, le salariat offre très peu. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose qui, qui solutionne les problèmes du monde, c'est très difficile aujourd'hui de le faire dans des entreprises classiques. Je en donne un exemple. 95% des étudiants de design veulent contribuer à la durabilité du monde. Or, aussitôt qu'ils trouvent un travail, ils doivent faire l'obsolescence planifiée. Donc, on a, on a un vrai problème là. Donc, si on veut faire un design durable, il faut créer ses propres entreprises, avec une logique différente de celle qui existe aujourd'hui, pour vendre le maximum, pour extraire un. un, un. Et donc. Où l'obsolence planifiée n'est pas une exception, mais vraiment la règle de tous les produits qu'on achète aujourd'hui. Et c'est un vrai problème écologique pour le climat. Et donc, je crois qu'on doit arriver à une équité entre le travail libre et le travail. Subordonné. Il y avait une deuxième couche dans la question euh, qui concerne peut-être Uber, parce que ça me fait penser au service Uber Pop, euh, donc qui disait euh, le fait qu ait pas, euh, que les gens puissent faire eux-mêmes leur travail, donc qu'ils soient plus salariés, qu'ils aient plus à passer des entretiens d'embauche, etc., ça va être en faveur des gens les moins qualifiés. Euh, donc, euh, voilà, ça va plutôt favoriser des personnes qui n'ont pas été bonnes à l'école, qui n'ont pas eu de diplôme, etc., mais qui sont quand même des brouillardes et qui, du coup, peuvent. Voilà. C'était ça un peu le sens de la question hein ouais ouais je crois avoir dit tout à l'heure ce que je pensais de la fin du salariat. Je trouve que c'est extrêmement anxiogène dans un pays où le salariat représente entre 85 et 88% de la population active occupée. Donc, euh, je, je, en réalité, encore une fois, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que le salariat se qualifie par sa, son lien de subordination entre le salarié et son, son employeur. Et que le travail indépendant se qualifie plutôt par sa flexibilité. Dans la société à l'heure actuelle, je pense qu'il y a. Les deux modèles sont encore valables, mais c'est vrai que c'est assez certain qu'il y a une attente de plus en plus forte d'une flexibilité dans le travail. Flexibilité évidemment plus ou moins forte en fonction de, de, de l'activité indépendante que vous pratiquez. Quand vous êtes une infirmière libérale, par exemple, vous, avez, vous êtes certes indépendante dans votre activité, mais vous avez votre patientèle à aller voir le matin, parfois l'après-midi, souvent le soir, et souvent le dimanche aussi. Et à des horaires qui, pour beaucoup de, de travailleurs, que personne n'accepterait. Je pense que, sur ce que j'entends et ce que je vois pour répondre à, à votre question, c'est qu'effectivement, sur les, les opportunités économiques qui sont permises par une plateforme comme comme Uber, ce sont souvent à peu près 70 des chauffeurs qui sont partenaires du qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est des gens jeunes, en règle générale. Je pense que pour tout utilisateur du euh, qui a fait au moins deux courses, il va s'en rendre compte. C'est des gens assez jeunes. Des gens, quand ils, ils discutent avec nous, parce qu'on a des locaux, euh, Porte d'Aubervilliers, qui euh, ont. Euh, donc, on a nos, nos bureaux et on a aussi juste à côté un, un centre de relations avec nos partenaires. On accueille 1500 personnes chaque semaine. Les euh, partenaires, ce sont les employés Les chauffeurs. Les chauffeurs. Les chauffeurs. Euh, Bien tenté sur les 1500 personnes qui passent. Et évidemment, forcément, il y a une discussion avec, avec les personnes de l'équipe, on discute beaucoup avec, avec, les, avec les chauffeurs. Et, et ce qui est vrai, ce qu'ils nous disent globalement, même s'il n'y a pas de. Pardonnez-moi, c'est un peu au doigt mouillé, mais enfin, en tout cas, ce qu'on entend beaucoup, c'est que ce sont souvent soit des gens qui sont dans le salariat et qui veulent en sortir, j'ai eu récemment, une petite anecdote, quelqu'un qui était salarié de la poste. Il, dans un... enfin, il travaille dans un centre de tri de 17h à 22h. Et puis il me dit bah, moi le matin, je... pardonnez-moi l'expression, mais je m'ennuie. J'allais dire autre chose, j'ai trouvé le terme à la fin. Euh, je m'ennuie, j'avais envie de travailler, et en même temps tout en étant libre de mes horaires. -à -dire que, voilà, il... Et donc il, il était chauffeur UberX. Et puis il y, y a beaucoup de, de chauffeurs qui sont aussi éloignés de l'emploi. C'est des gens qui ne sont pas forcément dans le système salarié et qui ont parfois du mal aussi à rentrer. C'est une façon assez facile, même si la réglementation est très stricte et, et que ça coûte très cher de devenir chauffeur, chauffeur de VTC. Ça permet aussi à beaucoup de jeunes, beaucoup de gens en règle générale, soit de se reconvertir, soit de devenir, de devenir travailleur chauffeur professionnel. Euh, on va prendre la dernière question. Ouais, Michel vite répondre. le oui. micro est déjà avec vous, c'est bon ou pas Oui, OK. Une bon, réponse de Michel, très bon, courte. Très vite. Hein. Donc, on a fait déjà pas mal d'études comparatives. On peut voir aucune différence fondamentale entre les systèmes fermés basés sur le contrôle a priori de la qualité et les systèmes ouverts comme Linux et Wikipédia, etc. Donc, euh, la seule différence, c'est que le contrôle de qualité est après la production plutôt qu'avant la production. Euh, mais ça marche. Donc, il n'y a, a pas de déclin dans la qualité dans ces systèmes, euh, euh, parce qu'en fait, l'offre est beaucoup plus grande, donc il y a beaucoup plus de choix, il y a beaucoup plus de rapidité dans l'innovation, etc., etc. Donc, c'était pas, pas pour répondre à la dernière question, mais plutôt pour dire que quand c'est ouvert, etc., ça marche, quoi, la, la qualité est bonne. Euh, une dernière question, ouais. Bonjour. Euh, alors, en Bonjour. Fait, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, Michel, comme quoi les systèmes de confiance dans les systèmes monétisés ne fonctionnaient pas. Parce que dans les faits, je trouve que ça semble assez logique, mais. Euh, mais quand on regarde, quand on voit qui va voir Uber et qui va voir Airbnb, on se rend compte que c'est des gens qui vont les voir par rapport à la confiance justement qu'ils ont dans ces marques et que Airbnb met en place un système de confiance, notamment sur les notes, où on ne peut pas voir la note qu'on nous a mise tant qu'on n'a pas noté également. Donc, sur quoi c'est basé le fait que le système de confiance ne marche pas quand c'est monétisé J'ai vu des études, je crois que c'était sur Blablacar, donc une analyse par exemple de la qualité des notations et. La conclusion de cette étude, c'est que c'était pas vraiment fiable. Dans ceci dit, sûrement depuis, euh, il y a des contre-mesures qui, qui ont tenu compte de ça et, et peut-être que ces méthodes vont, vont s'améliorer. Merci. Que, ouais, si aujourd'hui on se tourne vers eux, c'est notamment pour cette notion de confiance qu'on a, qu a envers ces acteurs de l'économie et euh, voilà, je pense que ça marche quand même, même si c'est monétisé. J'en suis, moi, enfin, petite personne, très convaincu. Euh, confiance dans la qualité de service, par exemple, pour nous, c'est euh, essentiel. En même temps, ça peut être un peu violent. Hein, C'est-à-dire qu'un chauffeur qui a moins de 4 pendant un certain temps n'est plus un partenaire. Non, ça, ça ne un... se passe pas comme ça. Alors, non. Je... <laughs> non. Vous avez tous faim, en fait, hein, c'est ça Vous voulez tous partir on, on, on a un ouais. système, effectivement, d'évaluation euh, vous le connaissez, de 1 à 5 étoiles, avec ouais. à partir de 3, enfin 1, 2, 3, on doit le justifier et expliquer le okay. pourquoi. Donc ça nous permet aussi d'affiner, de, de mieux comprendre. Mais dès lors qu'un euh, chauffeur descend en dessous de, de 4,5 en l'occurrence, il n'est pas suspendu, il n'est pas viré de la plateforme, il n'y a pas ce genre de relation avec nous. Mais il rentre en discussion avec nous, on essaie de comprendre pourquoi ça ne va pas. Il y a parfois des problèmes, je ne vais pas vous mentir, ça arrive. Euh, il y a eu des accidents ça arrive voilà donc on essaye nous en tant que que, intermédiaire, que, que, que personne qui finalement mettons en qui, qui met en relation pardon, le, le, le passager et le chauffeur. Évidemment, quand il y a un accident de la circulation, ça prend du temps, il faut faire un constat, il faut peut-être recommander une voiture, etc. etc. Donc, c'est un désagrément pour le passager. Notre responsabilité, je dirais, à son égard, c'est aussi de lui dire, bah, OK, on prend en charge euh, le, 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 comment dire, le remboursement, par exemple, de la course, ça nous arrive de le faire. Je pense qu'il y a eu... Euh, c'est des choses euh, bon, qui, 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 qui rentrent dans le... j'aime pas le terme, parce qu'en plus, ça renvoie à une marque qui n'est pas toujours terrible en termes de confiance, mais le contrat de confiance... Est très important. Je pense que c'est rendu possible en étant très terre à terre, c'est rendu possible aussi par la technologie et par un certain nombre de, de discussions directes qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter, beaucoup de choses qui se passent sur les, par mail aussi, ou tout simplement, on a un service client, juste pour terminer là-dessus. Enfin, euh, nous, c'est une, une réactivité en 4 heures. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises en France à l'heure actuelle qui réagissent face à un problème en 4 heures. On va bientôt donner la parole à Guillaume. Je signale simplement que le 21 septembre, le 21 septembre, c'est ça, on est encore en septembre prochain, il y a un projet de loi, le projet de loi République numérique en France qui va probablement faire entrer pour la première fois dans les textes de loi en France le principe des communs, c'est ça Vous êtes au courant, j'imagine es au courant, Michel J'ai lu un petit article, c'est plus ou moins. Toi, es au courant, j'imagine, puisque Etalab n'a pas... J'ai été au courant et j'ai lu la presse comme tout le monde. Donc, et donc 21 septembre mise en ligne et consultation publique de, de ce texte donc n'hésitez pas à participer je vais donner la parole pour conclure à Guillaume Jiaoui, qui lui aussi est étudiant tu es encore étudiant c'est ça vrai. ouais. et qui fait partie du concours fleur d'éloquence de la Sorbonne tu as une carte blanche pour une conclusion qui doit non t'aimes pas l'expression carte non, blanche vrai non, mais allez. Euh, pour euh, une conclusion qui doit en théorie s'inspirer de ce qui a été dit jusqu'à maintenant et ça sera la fin juste après cette conclusion. A toi, Guillaume. Bon bah bonjour, déjà. Donc voilà, je m'appelle Guillaume et je suis étudiant d'histoire à la Sorbonne. On a beaucoup parlé aujourd'hui de bah l'économie collaborative ou l'économie de pair à pair. Il y a plusieurs façons d'appeler ça. C'est un système qui a émergé grâce aux nouvelles technologies qui sont apparues ces dernières années. Mais plus que ça, c'est vraiment un modèle, un système qui est vraiment inclus dans notre époque. Dans cette époque de, de crise financière, dans cette époque de retour à, à du local, à du, de la proximité, à des valeurs plus simples, ce qui est assez paradoxal, parce que la mondialisation n'a jamais été aussi forte, on n'a jamais autant consommé des produits qui venaient d'aussi loin, qui ont autant voyagé, et pourtant, eh ben, on veut acheter nos légumes chez un petit producteur bio à côté de chez nous, même si on habite à Paris et que c'est ridicule, parce qu'il n'y a pas de ferme à côté de Paris. Oui, non, mais pas à Paris même, quoi. Enfin, mais c'est vraiment assez. C'est enfin, <laughs> ça. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans notre époque, qui est inscrit dans nos mentalités. Mais alors, est-ce que c'est une phase Est-ce que ça va changer comme tout phénomène de mode Ou est-ce que ça va rester Est-ce que c'est vraiment la nouvelle révolution industrielle Eh bien, la vérité, c'est que ça dépend de vous. On a beaucoup parlé aujourd'hui de, de grandes entreprises, de grands groupes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, de mesures au niveau étatique, au niveau européen, peut-être même au niveau, au niveau mondial. Mais c'est vous qui décidez. Vous connaissez la différence entre un président d'une république et une grande entreprise Le président, il est élu tous les cinq ans. Une grande entreprise, c'est tous les jours, exactement. Merci monsieur, je l'ai entendu. C'est vous qui votez. En consommant, en achetant, c'est vous qui décidez. Et donc c'est à vous de voir. Et pour l'instant, eh ben, moi-même, je dois avouer, l'économie collaborative, ça me, ça me séduit. Mais pourquoi Pourquoi ça me séduit moi Pourquoi ça séduit mon compagnon Mon compagnon, mon co camarade, excusez-moi. Grosse <laughs> bavure, grosse bavure, désolé, camarade. J'avais pas trouvé... Le... <laughs> pourquoi ça vous séduit vous est-ce que c'est... Allez, un peu de sérieux, s'il vous plaît, tout de même. Est-ce que c'est pour des valeurs éthiques, pour des valeurs morales, tout ça Ou est-ce que c'est tout simplement pour des considérations financières Parce que moi, voilà, je suis étudiant. Mettons que demain, je dois aller voir un ami à Nantes. Qu'est-ce que j'ai comme choix Je ne vais pas prendre l'avion. Si je prends le train, je vais en avoir pour... 150 euros l'aller-retour avec la SNCF. Qu'est-ce que je peux faire Je connais personne qui peut m'y amener. Eh bien, il y a le covoiturage. Est-ce que je préfère vraiment prendre la voiture à prendre le train Je ne sais pas. C'est plus long, c'est moins confortable. On est obligé de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais c'est moins cher. C'est vraiment ça. Tu peux t'interrompre de Vas-y, complètement. Figure-toi que récemment, un ami me disait, je boycotte le covoiturage parce que ça légitime les prix chers de la SNCF qui me paraissent totalement injustes. Et, et c'est une stratégie... Mais de oui, c'est un serpent qui se mord la queue, Donc, mais oui, je dis juste ça mais oui oui ça. Parce que ça m'a frappé mais quand ouais. il m'a dit ça. Je me suis dit, c'est étrange comme pensée. Et, et finalement, ton interrogation rejoint ce type ça, de... C'est ouais. ça, On va vers le covoiturage parce que la SNCF est trop chère et la SNCF augmente ses prix parce que les trains sont vides. Exactement. <laughs> Plein de riches, il disait. Plein de riches. Pas vide. Oui, enfin plein. Euh... Mais bon. Mais alors, si on a tous ce rêve de l'économie collaborative, l'économie de pair à pair, tout simplement d'une personne à l'autre, d'un citoyen à un citoyen, pourquoi est ce que il y a ces nouveaux entre guillemets monopoles de, de blablacar, mais aussi de Airbnb, de Uber, il y a de nouvelles entreprises qui se créent tous les jours. Pourquoi Mais parce qu'on n'a pas confiance l'un dans l'autre. Mais c'est ça la vérité. Moi, demain, je vais aller à Nantes pour voir un ami. Qu'est-ce que j'ai comme choix Soit je fais du stop sur l'autoroute. Non, merci, je ne suis quand même pas suicidaire. Soit je vais peut-être trouver une petite annonce quelque part, dans une gare, devant ma fac, ou sur Craigslist. Craigslist, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un site de petites annonces. Mais sur qui je vais tomber J'ai quoi J'ai une annonce qui me dit, voilà, Thierry, 06, 38, quelque chose. C'est qui Thierry Sur qui je vais tomber Est-ce qu'il va me tuer, me violer, est-ce qu'il pue des pieds alors qu'avec les grandes entreprises, les, enfin les, ces espèces de choses qui, comme le disait Michel, enclôturent ou enclosent les, les communs, et ben on a une garantie. On a de la confiance. On se dit, oui, bah, si on m'a dit 18 euros et qu'en fait le mec m'en prend 35, je peux aller gueuler quelque part. S'il ne vient pas, je peux aller gueuler quelque part. Alors que si c'est juste d'un citoyen à un citoyen, qu'est-ce que j'ai comme garantie C'est pareil. Il y a cette petite affaire qui avait pas mal tourné sur... Euh, Internet, <laughs> source très fiable. Il y avait un monsieur qui louait son canapé en coach surfing et qui recevait quasiment exclusivement des jeunes filles. Il se trouve qu'il avait installé une caméra dans la douche et dans la chambre pour les filmer en train de se déshabiller et de se doucher. Voilà. Bon, on peut tomber sur des gens comme ça. Alors qu'on se dit que si c'est réglementé, s'il y a une grande figure derrière, s'il y a une grande entreprise, quelque chose qui a pignon sur rue, quelque chose... À qui on peut aller se plaindre, eh ben on a quand même plus confiance. Mais même on peut tous, en fait, créer des espèces de petites euh, des petites associations, des coopératives, quelque chose qui donneront une garantie, un cadre qui va remplacer tout simplement le, le citoyen à citoyen, qui peut faire peur. Mais mettons qu'il y ait des gens qui s'impliquent dans une coopérative ou dans une petite association pour mettre des gens en commun, pour du covoiturage ou louer des appartements. C'est comme ça qu'on commençait Blablacar, c'est comme ça qu'on commencé Airbnb. Au bout d'un moment, ces gens-là qui s'impliquent dans quelque chose, qui créent du service, qui créent de la valeur pour quelqu'un d'autre, ils vont vouloir être rémunérés. Et ces petites associations, ces petites coopératives qui partent de très bonnes intentions vont se transformer en grandes entreprises. Nous tous. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer énormément de temps, enfin pas forcément énormément de temps, mais de passer du temps, de, de devoir s'impliquer avant de consommer Est-ce qu'on n'aime pas tout simplement la, la simplicité des grandes entreprises Je me fais volontairement l'avocat du diable, parce que ce que je veux, c'est vous faire réfléchir. C'est que vous sortiez d'ici et vous ayez conscience vraiment que le pouvoir, que l'avenir, que est-ce que c'est une révolution industrielle ou juste une évolution ou une simple phase, eh bien, c'est vous qui décidez, tout simplement. Je n'ai pas fini. <laughs> <laughs> tu es en train d'exploser ton timing, là, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bon, bah, je vais finir. Ouais. Voilà. On se demandait tout à l'heure à qui ça profite, tout simplement. C'était la question. Est-ce que ça profite aux grandes entreprises de la Silicon Valley Ou est-ce que ça profite à tout le monde Eh bien, c'est à vous de voir. Moi, payer moins cher pour me déplacer, ça me profite. Et si quelqu'un d'autre fait du profit également avec ça, ça ne me dérange pas. Mais on a peut-être des opinions différentes. À vous de décider. Changez le monde Merci. Vous souhaitez euh, dire un dernier mot, peut-être euh... Allez-y, oui. Michel Un petit cours de sociologie, mais vraiment, pour une minute. Moi non, pour, ah, pour la personne de, de la confiance. Vous avez encore je... deux heures non, non, mais je viens de lire ça, c'est très intéressant. Donc, dans les tribus, tout le monde se fait confiance, on se connaît. Et puis, il y a les empires et on. C'est le grand père, le big big father, c'est-à-dire qu'on a confiance parce qu'ils ont tous peur du même Dieu. Et puis on est passé à l'État, big brother. On a confiance parce qu'il y a des règles et l'État. Euh, et là, on est en train de passer au little brother. Donc c'est ça, le père à père. Donc on est en train de développer des systèmes où on développe la conscience par rapport à cette euh, réputation horizontale. Je crois que c'est euh, voilà, en deux mots. Alexandre, tu veux dire un mot Non mais très rapide, je pense que enfin, si on peut terminer sur cette notion de confiance, ce serait, ce serait assez chouette. Euh, je, je crois vraiment qu'au fond, le, 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 les technologies, quelles qu'elles soient, euh, doivent être mises au service de, de, cette, de cet objectif-là. Et je pense que dans bien, sous, dans bien des cas, c'est vraiment la situation qui se passe. C'est-à-dire que les entrepreneurs euh, se confrontent à une problématique très définie et euh, cherchent avant tout à, à résoudre, euh, à résoudre ce problème. Et, et, euh, et la meilleure façon, c'est de le faire dans la confiance de nouveaux clients, de nouveaux consommateurs, de citoyens. Et, et je, je pense que le, le propre de ce que l'on vit, s'il y a bien une révolution, c'est une révolution de la confiance. De citoyens ou de copropriétaires de coopératives, si on reprend votre modèle. Merci beaucoup.